Bon, Rastirion Deneri, bonsoir à toutes et tous. Kontseilua hasi aintzin, bihitzez, nahiz intuzketet, hemen dagon bisai berri bat aurkeztu. Hemen dugu nire eskuinean, Mathieu Etxeberri, nire bulegoko zuzendari berria. Ara, beraz, ongi etorri zuri, Mathieu. Eta galdatuko zauztet, biztan da, berari ere ongi etorri bat egitea, zuekin hariko da ere lanean, nahi barin baduzue berarekin bildu eta mintzatu, plazera handiarekin errezebituko zauzte. Donc je disais, avant que de rentrer dans l'ordre du jour de ce conseil municipal, je souhaiterais vous présenter un nouveau visage qui est ici, qui va participer donc à son premier conseil municipal, qui est Mathieu Etxeberri, mon nouveau directeur de cabinet. Voilà, donc on lui souhaite la bienvenue. Mathieu se tient à la disposition de tous les élus, que ce soit de la majorité, mais également de l'opposition, pour pouvoir échanger avec vous, encore une fois, dans l'intérêt de notre commune. Et je lui souhaite personnellement une belle aventure, personnelle, mais aussi professionnelle, dans notre commune. Et j'espère longue également. Mijesker Mathieu. Comme d'habitude, on va désigner, si en tout cas il en est d'accord, le plus jeune membre de notre assemblée comme secrétaire de séance. C'est-à-dire, j'ai nommé Mathieu Raffou. Est-ce qu'il est d'accord? Oui, à deux mois, ça sera un plaisir. Bon, donc Mathieu Raffou est désigné secrétaire de séance. Au niveau des pouvoirs, j'ai été destinataire donc de deux pouvoirs, celui de Madame Marie-Christine Elizondo, qui me donne pouvoir à moi-même, et celui de Monsieur Francis Gavilan, qui donne pouvoir à Madame Solange Dariussec. Bien, premier point à l'ordre du jour, comme d'habitude, donc l'approbation du procès-verbal du précédent conseil municipal, qui était donc en date du 6 juillet 2021. À ma connaissance, il y avait eu une observation de M. Jean Telechia, qui avait fait une observation par rapport à une formulation, je crois, qui, m'a-t-on dit, a été prise en compte. Il n'y a pas eu, je crois, d'autres observations, sauf à ce qu'il y en est aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on approuve ce procès-verbal du Conseil municipal? Je vois qu'il n'y a pas d'observation, donc qui est contre, qui s'abstient. Ah, qui s'abstient, on a 3-4 abstentions, donc de Madame Agnès Izaguirre, Sébastien Etchebarne, Madame Françoise Besnard et Monsieur Nicolas Fourcade. Bien, je passe aux habituelles aussi, on va dire, communications du maire. Une première communication relative donc au marché de déconstruction et reconstruction du pont de la Glacière, le pont du chemin d'Orio-Coborda, que vous connaissez, je pense, toutes et tous, pour vous informer que par une décision en date du 5 juillet 2021, j'ai approuvé le contrat de travaux avec la SARL Dual de Michel, qui est domiciliée à Ustaritz, pour la réalisation donc des travaux de déconstruction et de reconstruction de ce pont de la Glacière. Il s'agit d'un marché donc à prix unitaire, dont le montant estimatif présenté s'élève à 124 992,15 € hors taxes, soit 149 990,58 € TTC. Vous avez pu lire aussi sur le rapport de présentation quelques précisions et informations complémentaires sur les travaux qui seront entrepris. Une deuxième communication, qui est celle-ci relative au marché de travaux de réaménagement des vestiaires du stade de rugby. Donc, un avenant numéro 1 concernant le contrat initial qui avait été conclu avec la société LAPEG, domiciliée à Metz. Donc c'est un avenant que j'ai signé par décision en date du 2 août 2021. Il s'agit du lot donc, numéro 4, qui est le lot menuiserie aluminium,
et cet avenant a pour objet la prise en compte de travaux en plus et en moins-value. Une plus-value pour l'ajout d'une fenêtre, puisque lors de la première phase de chantier, il est apparu qu'une fenêtre ne pouvait pas être conservée au vu de son état et qu'elle doit donc être changée par une neuve. Et une moins-value qui, elle, résulte de la réduction de 80 cm d'une largeur d'une baie afin de pouvoir intégrer un élément de structure. Au total, on se retrouve donc avec des travaux qui s'élèvent à 735 € hors taxes, et donc ce qui amène le nouveau montant forfaitaire du marché à la somme de 13 205 € hors taxes, soit une augmentation donc de 6%, d'environ 6% du montant du marché initial. Et un autre avenant qui concerne également donc le marché de travaux, toujours du réaménagement des vestiaires du stade de rugby. Cette fois-ci, ça porte par décision donc en date du 3 août 2021, un avenant concernant le contrat initial avec la SARL Patrick Buzot, domicilié à Pouet-de-l'Escar, pour la réalisation des travaux prévus au lot numéro 7, carrelage faïence. C'est un avenant qui se justifie par une plus-value résultant donc de la fourniture et mise en place d'une chape de ravoirage de 5 cm. En effet, suite à la dépose de la chape existante par le lot Gros œuvre démolition, il s'est avéré que l'épaisseur de cette dernière n'était pas d'une épaisseur standard de 5 cm, mais de 10 cm. Par conséquent, la chape de ravoirage ajoutera une épaisseur qui permettra de compenser le delta et d'assurer le niveau de sol fini nécessaire à l'accessibilité PMR du projet. On se retrouve avec un montant de travaux qui s'élève à 2 850,05 € hors taxes, et ce qui a pour conséquence de porter le nouveau montant forfaitaire du marché à une somme de 52 979,78 € hors taxes, soit également ici une augmentation d'environ 6% du montant du marché initial. Et enfin, pour terminer avec les communications du maire, une information que je me dois de vous apporter, conformément au texte, une information sur un contrat de mise à disposition que j'ai signé concernant donc Madame Marie-Pierre Bergeret, qui est une policière municipale de la commune de Saint-Jean-de-Luz. Comme vous le savez, nous avons eu une mutation de notre agent de police municipale qui est parti sous d'autres cieux, et donc dans l'attente que l'agent qui le remplacera ait effectué sa formation obligatoire et obtenu tous les agréments nécessaires pour devenir policier municipal, il a été décidé, pour assurer bien sûr la continuité de ce service public qui est important, de signer d'accepter cette mise à disposition donc de cet agent de police municipale qui nous vient de Saint-Jean-de-Luz, et de conclure donc pour cela une convention de mise à disposition. Je vais simplement préciser que on féminise aussi un peu nos services, c'est un élément important. On a besoin de dames dans nos services. Il y a aussi une nouvelle dame qui est arrivée, je précise. Je profite de l'occasion pour le dire au service technique. Voilà, je crois qu'une féminisation apporte toujours de l'intérêt dans nos services. On parle souvent de l'égalité entre hommes et femmes. Il ne suffit pas de rester dans la théorie, et il faut des fois passer aussi à des actes concrets. Et je crois que ça en fait partie. Voilà, en tout cas, ce que je voulais vous apporter comme communication et information. Je vous propose donc de passer à l'ordre du jour et donc aux questions générales. Une première délibération par laquelle je vais vous proposer d'adopter une motion. Une motion qui nous est présentée par la Fédération nationale des communes forestières et également l'Association des communes forestières à laquelle la commune du Rugne adhère. Vous n'êtes pas sans ignorer que nous avons sur notre territoire près de 800 hectares de forêt, ce qui n'est pas rien, que cette forêt aujourd'hui est excellemment gérée, je dirais, par l'ONF, le service de l'ONF, et je rends ici d'ailleurs honneur, je dirais, à Pancho Iturria, qui est un agent avec qui on travaille très très bien dans l'intérêt de nos forêts. Or, aujourd'hui,
comme malheureusement, je dirais, dans beaucoup d'autres domaines, le gouvernement français envisage des modifications. Une première modification qui consiste à augmenter, bien sûr, les contributions des communes forestières au financement de l'ONF. Je vais ensuite vous faire la lecture de la motion texto pour ne pas trahir l'esprit et la lettre de cette motion. Donc vous verrez les chiffres dans quelques instants. Et une deuxième modification, comme cela arrive, je le disais tout à l'heure, dans beaucoup de services publics, là aussi, une réduction des agents, et une réduction drastique même, des agents de l'ONF. Ce qui fait peser, je crois, effectivement, des menaces, et une menace, sur la gestion de nos forêts, et plus particulièrement la nôtre. Donc, encore une fois, je rappelle, 800 hectares de forêts sur notre territoire. Donc, je vous fais la lecture in extenso de cette motion pour que le public aussi qui nous écoute, et je le salue au passage, sache de quoi on parle exactement, puisque eux n'ont pas lu ce rapport de présentation que vous avez eu. Alors, la motion s'articule de la façon suivante. Considérant les décisions inacceptables du gouvernement d'augmenter une nouvelle fois la contribution des communes forestières au financement de l'Office national des forêts, à hauteur de 7,5 millions d'euros en 2023, puis de 10 millions d'euros par an en 2024-2025. Les impacts considérables sur les budgets des communes et des collectivités qui vont devoir rechercher des ressources nouvelles auprès de leurs citoyens. Le risque de dégradation du service public forestier dans les territoires en raison du projet de suppression de 500 emplois prévus dans le futur contrat État-ONF. Considérant également l'engagement et la solidarité sans cesse renouvelée des communes forestières au service des filières économiques de la forêt et du bois en période de crise, notamment sanitaire. L'impact très grave de ces crises sanitaires sur les budgets des communes déjà exsangues. Les incidences sérieuses sur l'approvisionnement des entreprises de la filière bois et des emplois induits de ce secteur. Les déclarations et garanties de l'État reconnaissant la filière forêt-bois comme atout majeur pour l'avenir des territoires, la transition écologique et énergétique, ainsi que la lutte contre le changement climatique. La Fédération nationale des communes forestières, réunie en conseil d'administration le 24 juin, exige le retrait immédiat de la contribution complémentaire des communes forestières, la révision complète du contrat d'objectifs et de performance État-ONF et demande une vraie ambition politique de l'État pour les forêts françaises. Et enfin, demande également un maillage territorial efficient des personnels de l'ONF face aux enjeux auxquels la forêt doit faire face. Voilà donc le texte de la motion que je vous propose d'adopter. Et je vous demande si vous avez des observations ou des questions à poser sur cette motion. Monsieur Jean Telechia, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Bon, effectivement, hein, tu l'as très bien rappelé, la contribution de l'ONF dans la vie de nos forêts à Urugne est importante. L'action sur le terrain de monsieur Iturria aujourd'hui, elle est quand même remarquable. Hein. Donc, tu as fait remarquer tout ça. On a une motion qui a été présentée par la Fédération nationale des communes forestières. Est-ce qu'on a posé la question au ministère de l'Agriculture quel est le projet aujourd'hui de réduction de coûts, quelles sont les contreparties, quelle est l'offre de services qu'ils ont en tête, ou on se contente de cette motion-là? La réponse est non. On n'a pas interrogé le ministère de l'Agriculture. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on se contente de cette motion qui, à nous, nous paraissait suffisamment complète, mais peut effectivement ne pas l'être. On pourra toujours également aussi avoir des renseignements complémentaires après. Monsieur Tchebarne.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Alors, j'ai toujours du mal avec ces motions, hein, comme j'ai pu avoir du mal sur les précédentes, on a pu avoir du mal sur les précédentes. Ce sont des motions nationales sur lesquelles on a du mal à voir quel sera vraiment l'impact pour Eurugne. Si vous parliez effectivement d'une personne de l'ONF qui s'occupait sur Eurugne ou en partie d'Eurugne, je pense qu'elle ne s'occupe pas que d'Eurugne. Et donc voilà, c'est toujours un peu dommage sur la portée réelle de ce type de motion, voilà, validée en conseil municipal. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais c'est vrai que par rapport à ce type de texte, où on est sur un programme national, effectivement, il nous manque des éléments de compréhension nationale. Quels sont les impacts locaux? Quelle est la politique réelle derrière tout ça? Est-ce qu'il y aura vraiment un impact? Voilà, pour ces raisons-là, nous, on va s'abstenir. Il est de bon ton de dire oui et de valider, il n'y a pas de souci. Mais quel est vraiment l'impact aujourd'hui, à ce stade-là, de voter ce type de texte, sachant que même s'il y a soit 30 000 communes qui votent oui, ou 20 000 communes forestières, voilà, nous, on a du mal à valider et à voter ce type de motion. Mais la forêt est importante sur Eurugne, hein, on ne dit pas ça. D'autres observations? Madame Dariussec. Merci. Oui, effectivement, des chiffres pharaoniques sont avancés par rapport à cette contribution complémentaire des 14 000 communes impactées en France, hein, des communes forestières, dont Eurugne. Donc on voit mal comment ces communes pourraient contribuer encore davantage qu'elles ne le font à l'heure actuelle et remettre donc encore au pot, et ce même avec des finances saines, comme c'est le cas à Eurugne. Donc moi, ce que je voulais savoir, c'est si on avait d'ores et déjà une idée ou une estimation chiffrée de l'effort supplémentaire qui pourrait être demandé à notre commune. Un autre point inquiétant, c'est forcément cette réduction d'effectifs qui est évoquée. A priori, donc après avoir mené quelques recherches, on s'aperçoit aussi que de nombreux postes sont déjà actuellement vacants, momentanément inoccupés, parfois sur de longues périodes. Il y a donc déjà un impact direct sur la qualité des services apportés aux communes dans la gestion de leurs forêts. Donc moi, j'estime qu'à l'heure où les espaces forestiers sont confrontés à de multiples pressions, changement climatique, maladie de certaines essences en forêt, pression foncière, etc., le régime forestier actuel est peut-être un peu dépassé et il faut en tout cas le revoir et l'adapter. Donc plutôt favorable à cette motion sur le principe, en espérant surtout qu'elle permettra l'ouverture de larges négociations et un dialogue constructif pour atteindre cet objectif. Merci. Je l'espère tout autant que vous. Bien, s'il n'y a pas d'autres observations, je vous propose de passer au vote. Donc, qui vote contre l'adoption de cette motion? Qui s'abstient? Donc, on note les abstentions de Madame Izaguirre, Monsieur Etchebarne, Madame Françoise Besnard et Monsieur Nicolas Fourcade. Donc, cette délibération est adoptée à l'unanimité. Majorité, pardon. Mais non, les abstentions ne sont pas prises en compte. Ne m'induisez pas en erreur. J'ai entendu quelqu'un là-bas, non? Il y avait une observation, non? Bon, okay. Bien. Donc, délibération numéro 2, qui est relative donc au protocole d'accord sur l'usage du chemin d'exploitation dénommé donc chemin de la carrière menant à la montagne de Cibourg. Alors, vous le savez ou pas, c'est une longue histoire, puisque depuis de nombreuses années, et plus précisément, on va dire, 2013-2012, ça avait commencé peut-être, des contentieux existent entre, alors tout d'abord la commune de Cibourg, puisque c'est la commune de Cibourg qui avait initié les contentieux, à laquelle ou auquel s'était joint ensuite la commune d'Eurugne, avec donc M. Jean-Philippe Irasoki, qui est propriétaire de parcelles sur laquelle donc ce fameux chemin de la carrière passe.
Des décisions de justice ont été rendues et à l'issue de ces décisions, et notamment d'une dernière décision de la Cour d'appel de Pau du 24 juillet 2015, Monsieur Hirasaki avait été donc condamné à enlever tout obstacle qui pouvait exister sur ce chemin, à tout le moins sur la partie de parcelle qui lui appartient. Et compte tenu que cette condamnation était assortie d'une astreinte et qu'il ne s'était pas, on va dire, conformé aux décisions de justice dans des délais normaux, il avait été par ailleurs condamné par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bayonne au paiement d'astreinte pour des montants assez importants. Lorsque nous sommes arrivés aux affaires en juillet 2020, donc été 2020, j'ai pu constater que nos services, principalement notre service urbanisme et autres, étaient inondés, on va dire, de plaintes diverses, de promeneurs ou autres, qui se plaignaient d'altercations plus ou moins vives, on va dire, avec M. Hirasaki, par rapport, encore une fois, à l'usage de ce chemin. Après avoir pris connaissance donc du dossier, des différentes décisions de justice dont je vous ai parlé, j'ai pris l'initiative avec M. Enrico Aldana, maire de Cibourg, d'engager avec ce monsieur des discussions pour arriver à un accord, pour apaiser, on va dire, les choses et arriver à un accord qui puisse satisfaire le maximum de monde possible par rapport à l'usage de ce fameux chemin et éviter que nos services continuent à être inondés de plaintes, qu'on ait à envoyer chaque fois nos policiers municipaux pour faire des constats, etc. Il faut rappeler, c'est important, que ces décisions de justice aujourd'hui ne sont opposables ou ne sont, on va dire, profitables qu'aux parties qui les concernent, c'est-à-dire les communes et M. Hirasaki. Hein, c'est le principe de l'autorité de la chose jugée qui ne peut... qui n'existe qu'à l'égard des parties qui sont au procès. Donc ce qui veut dire que tous les autres usagers potentiels de ce chemin, aujourd'hui, juridiquement parlant, ne peuvent pas se prévaloir d'un droit d'usage sur ce chemin. Alors, l'objectif de ces discussions a été d'intégrer le maximum de personnes dans les possibilités, on va dire, d'user de ce chemin, sans que M. Hirasaki ne puisse s'y opposer. Il faut dire les choses comme elles sont. On n'en est parvenu que partiellement, puisqu'on n'a pas réussi à intégrer tout le monde. Notamment, aujourd'hui, il y a des difficultés avec les cavaliers. Les cavaliers, aujourd'hui, ne sont pas malheureusement visés dans ce protocole d'accord. Mais sont visés surtout les propriétaires des parcelles qui existe sur cette montagne de Cibourg. Cette montagne de Cibourg a la particularité quand même, je pense que vous le savez, c'est qu'elle est divisée en diverses propriétés privées. Il y a une propriété communale, la commune de Cibourg. Mais tout le reste, ce sont quasiment des propriétaires privés. Et il me semblait inenvisageable, pour ma part en tout cas, que ces propriétaires privés ne puissent accéder par ce chemin, puisque ces propriétaires privés, certaines sont propriétaires de bordes et ont besoin de passer pour y faire des travaux, enfin pour de mains ouvrages. Et donc, il me semblait normal que ces propriétaires privés puissent aussi accéder et disposer d'un droit d'usage sans qu'ils aient forcément à faire eux-mêmes des procédures judiciaires à l'encontre de M. Hirasaki. Parce que ça aussi, c'est possible. Mais on sait tous, c'est ce que je leur indiquais, que les procédures judiciaires durent dans le temps. Il n'y a qu'à voir déjà ces contentieux-là qui ont commencé en 2014 pour se terminer en 2015.
voire plus tard, 2016, pour les condamnations aux astreintes. Donc voilà, ce protocole d'accord, aujourd'hui, a pour objet d'intégrer, donc, outre les communes qui sont déjà bénéficiaires de ce droit d'usage, les propriétaires privés, mais également les services du SDIS, qui pouvaient l'être déjà dès lors qu'elles étaient mandatées par les communes, mais c'est important quand même de le préciser aussi dans le protocole d'accord, les agents de l'ONF, dont on a parlé tout à l'heure. Alors, se pose la question des randonneurs, des marcheurs. Alors, j'ai vu un article de presse aujourd'hui au Sud-Ouest, puisque comme on va délibérer, nous, aujourd'hui, la commune de Cibourg a également délibéré à son conseil municipal pour habiliter le maire de la commune de Cibourg à signer ce protocole d'accord. Alors, je tiens à préciser que les marcheurs, les randonneurs à pied, ne sont pas intégrés dans ce protocole d'accord. Pourquoi ? Parce que on a trouvé une autre solution pour ces marcheurs, par un autre sentier qui fait juste le tour de la parcelle et qu'ils peuvent effectivement utiliser sans forcément passer par cette parcelle-là. Donc, aujourd'hui, voilà, la situation est celle-là. Elle n'est pas satisfaisante à 100%, mais on espère quand même que ça va réduire au grand maximum les possibilités ou les sources de contentieux, les sources d'altercation et autres. En contrepartie, c'est-à-dire si M. Irasoki respecte ses engagements, donc qui consiste bien sûr à laisser passer les personnes et les institutions que j'ai indiquées tout à l'heure, et donc à ne pas cadenasser les portails qu'il peut mettre, parce qu'il pourra mettre des portails, mais ils ne devront être en aucun cas cadenassés. Les portails sont nécessaires pour éviter, vous le comprendrez, je l'espère, la divagation aussi des animaux. En contrepartie donc, du respect de ces engagements, les communes acceptent, donc Cibourg et Urugne, acceptent de suspendre une partie des voies d'exécution qui sont engagées ou qui étaient engagées pour recouvrer le montant des astreintes, étant précisé quand même qu'une bonne partie de ces astreintes a déjà été recouvrée. On accepte de suspendre une partie, c'est-à-dire la partie, entre guillemets, je dirais, privée, c'est-à-dire les voies d'exécution que les communes avaient demandé à un huissier d'exécuter. Donc celles-là seront suspendues tant que M. Irasoki respectera les conditions prévues dans ce protocole d'accord. Par contre, la procédure de recouvrement qui est engagée, qui avait été engagée, qui se poursuivra donc par le Trésor public, puisque la commune de Cibourg avait émis un titre de recette et que la commune d'Urugne émettra aussi un titre de recette pour les parties recouvrées, ces titres de recette continueront à être exécutés. Et nous avons simplement convenu, dans le cadre de l'accord, enfin c'est ce que nous proposons en tout cas, que M. Irasoki devra continuer à régler par des sommes, on va dire, modiques annuellement, donc minimum 10 euros par an, les sommes qu'il doit au titre des astreintes auxquelles il a été condamné. Inutile de vous dire, vous l'avez compris, que à la moindre incartade de M. Irasoki, eh bien, les communes reprendront également la voie d'exécution par huissier pour recouvrer la totalité des amendes, enfin des astreintes, pardon, soyons précis, qui restent à recouvrer. Donc, je vous propose aujourd'hui d'approuver les termes de ce protocole d'accord et donc de m'autoriser à le signer. Voilà, l'objet du débat, c'est celui-là. Je reste bien sûr à l'écoute de vos observations et de vos questionnements. Monsieur Levrero, vous avez la parole. Bonsoir à tous. Il y a deux choses qui m'étonnent. Bon, ce n'est pas repris dans la délibération, c'est le montant restant dû que j'ai vu dans Sud-Ouest ce matin, qui est, si tu m'arrêtes, si ce n'est pas vrai, 6 870 euros. À coût de 10 euros par an, on a intérêt à mettre dans le formal la délibération. Parce que nos successeurs, il va falloir qu'ils retrouvent. Il y en aura un certain nombre d'ici là. Donc ça fait 7 siècles. Bon, c'est beaucoup. Tu m'as expliqué en partie le côté de la décision de justice qui nécessite un protocole. C'est un peu
un peu bancal. Enfin, donc tout ça, pour ces deux raisons-là, on ne votera pas ce protocole d'accord. Monsieur Cheval. Oui, donc effectivement, enfin, c'est une très très vieille histoire pour les nombreux randonneurs qui vont dans ce secteur. Enfin, tout le monde sait que c'est une aberration depuis des années, que ce personnage est très désagréable, voire dangereux à certains moments, et que malgré une décision de justice, parce que la décision de justice elle est intervenue que bien des années après les faits qui se sont répétés maintes et maintes fois, cette personne-là interdit tout passage, ou quasiment tout passage, a mis des barbelés, a mis des grillages, et finalement on a fait faire même sauter un pont. Donc on arrive à un point où il y a une condamnation, et aujourd'hui, on trouve que c'est un aveu de faiblesse terrible que de proposer une sorte de protocole d'accord. On peut comprendre votre position, mais par rapport au comportement qu'a eu ce propriétaire-là, par rapport aux nombreuses plaintes effectivement qui ont été déposées, aux nombreux travaux qui ont été faits par la police municipale, vous l'avez évoqué, ne serait-ce que par rapport à ça, comment on peut essayer aujourd'hui encore d'essayer de trouver un protocole d'accord? Voilà, c'est juste ça qui nous, je ne vais pas dire nous choque, parce que c'est pas, on n'est pas choqué. Mais c'est vrai que tous les retours qu'on a depuis des années sur ce passage-là, et ce qui est extraordinaire, c'est que même sur un site internet qui est Visio Rando, lorsqu'ils parlent de cet itinéraire-là de Trabénia, ils disent à un moment donné traverser le chemin marqué privé, qui bénéficie en réalité d'un droit de passage, donc il y a bien un droit de passage. En cas de contestation, c'est rare, mais ça arrive. Donc ça, je trouve ça extraordinaire. Ils disent c'est rare, mais ça arrive. C'est plus fréquent que rare, mais bon. Ne pas négocier avec le propriétaire, mais contacter la mairie du Rugne au 05 59 47 44 deux fois. Le nécessaire sera fait pour vous octroyer le passage. Et ça, c'est pas de cette année que c'est sur ce site-là. Donc moi, je trouve ça extraordinaire d'avoir ce type de comportement-là. Il y a un jugement qui est donné. Sur le site, on va jusqu'à écrire cette façon de faire-là pour dire qu'effectivement, il n'a pas le droit d'interdire le passage. Et aujourd'hui, on fait un protocole d'accord où finalement, on va quand même trouver un passage de substitution pour les piétons, pour les randonneurs, et on va interdire aussi les cavaliers. Or, vous savez très bien qu'il y a énormément de cavaliers sur les bas de la Rune, et que c'est un secteur, effectivement, qui a été historiquement le passage des cavaliers et des randonneurs. Donc, sincèrement, nous, ça nous embête énormément. On trouve que c'est un aveu de faiblesse. Effectivement, comme M. Levrero l'a dit, on a ce qui est dommage dans ce type de délibération, c'est qu'on n'a pas toutes les infos, encore une fois, et qu'on a appris le montant restant dû sur Sud-Ouest. Donc 10 euros par an, effectivement, je pense qu'on peut attendre un petit peu, mais je pense que ce n'était pas l'objet, forcément, de mettre 10 euros par an, j'espère. En tout cas, voilà, nous, on va voter contre, effectivement, votre proposition, parce qu'elle nous paraît ne pas aller dans le sens de la chose jugée, effectivement. Je pense qu'à un moment donné, lorsqu'il y a une condamnation et qu'on a une personne qui n'applique pas les textes, nous, ça nous paraît regrettable de revenir dessus. Et en plus, c'est 94, donc c'est quasiment 20 ans après. Et de voir que 20 ans après, la situation n'est toujours pas résolue. Donc comment faire confiance, et ça a été dit aussi dans l'article, je crois, à Cibourg, comment faire confiance à une personne qui ne respecte pas les textes quasiment depuis 20 ans. Merci. Monsieur Telecha, après je répondrai à l'ensemble. Oui, justement, moi je voterai pour, parce que c'est vrai que c'est un dossier qui nous a pourri pendant les deux mandats précédents, qui a monopolisé le travail des élus, des adjoints, des techniciens de la police municipale. Et aujourd'hui, enfin, on a peut-être, après évidemment un rapport de force avec le tribunal, mais on a la possibilité d'avoir une politique d'apaisement et de communication avec des gens quand même qui sont du Rugne. Donc moi, je voterai pour la confiance à la proposition qui a été faite. Bien, alors, excusez-moi, mais moi, les informations qui apparaissent sur un site, d'ailleurs, je ne les connaissais pas, je n'y accorde aucune valeur, en tout cas pas juridique. J'ai l'impression qu'il y a une chose que vous n'avez pas comprise, à mon avis. Je le répète, après, que vous ne vouliez pas le comprendre, ça sera autre chose. Mais ça sera de votre responsabilité. Aujourd'hui, en ne signant pas ce protocole d'accord,
les seules parties, juridiquement, je le précise. Alors vous me permettrez d'avoir quelques petites notions juridiques sur la question. Juridiquement, seules les deux communes ou des institutions que les communes vont mandater peuvent utiliser ce chemin. Le principe de l'autorité de la chose jugée que j'ai indiqué tout à l'heure n'est valable qu'à l'égard des parties qui sont au procès. Donc, en ne signant pas ou en ne votant pas ce protocole d'accord, vous acceptez effectivement aujourd'hui et vous faites le choix, mais c'est un choix qu'il faudra assumer, que chaque propriétaire privé, chaque randonneur, chaque cavalier devra aller au tribunal contre M. Irasoki pour se faire reconnaître un droit d'usage, de part des servitudes dont ils peuvent disposer peut-être. Voilà. Simplement, l'objet de ce protocole d'accord, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, oui, M. Tchevan, vous n'avez pas compris ce que j'ai expliqué tout à l'heure, a priori. Donc, oui, mais bon, voilà, chacun son métier, hein, voilà. Et donc, bon, voilà, c'est un choix. Nous, on a fait le choix d'essayer de faire de la médiation. Tiens, d'ailleurs, vous me reprochez de ne pas faire de la médiation un peu plus tard, dans les questions diverses, on va en parler. Là, on a essayé de faire de la médiation. Alors, encore une fois, je le dis, hein, cet accord n'est pas satisfaisant à 100%, puisqu'il ne satisfait pas tout le monde, mais en tout cas, il satisfait une plus grande partie de personnes, où il peut être source, on va dire, de réduction des futurs contentieux. Voilà. Simplement, je voulais simplement rappeler ça, que les choses soient bien claires dans la tête des uns et des autres. Après, en ce qui concerne le recouvrement, bien évidemment, le but, ce n'était pas de fixer 10 euros minimum par an. Je vais simplement préciser que reste à recouvrer effectivement 6 500 euros et quelques, mais que vous avez pu lire aussi, je pense, dans le même article de presse, la somme qui a été déjà recouvrée, hein, qui est de plus de 9 000 euros. Voilà. Bon, donc, voilà. C'était les précisions que je voulais apporter. Je vous propose, s'il n'y a pas d'autres observations... Oui, M. Tchevan. Non, c'est juste pour ne pas revenir là-dessus, je ne vais pas faire un duel juridique, mais c'est juste par rapport aux ouvriers, parce que moi, mon inquiétude, c'est plus ça, si vous voulez. Vous pouvez me dire ce que vous voulez au niveau juridique. Historiquement et culturellement, vous savez très bien que les gens, les ouvriers et les askenders passent par là. Donc, à minima, je pense que c'est sûr qu'il faudra changer la signalétique, bien informer au maximum, parce que je ne suis pas convaincu que ça va réduire forcément, je sais que c'est votre but, hein, mais je ne suis pas convaincu, vu que ça fait plus de 20 ans que les gens agissent comme ça, que déjà les gens vont changer leurs habitudes et ne pas passer par là. Et donc, au niveau de la signalétique, au niveau d'un certain nombre de choses, ça va vous obliger, vous, ça va nous obliger, nos communes, à aussi engager des frais derrière. Et voilà. Donc, c'est juste ça qui m'inquiète. OK. C'est vrai aujourd'hui que 99,99% du Rugnard. Les Askenders, juridiquement, ne peuvent pas utiliser ce chemin, puisque ça aussi, c'est un fait, c'est un chemin privé qui appartient à M. Irasoki. Voilà. De là, si c'est une situation de laquelle on se contente, je peux l'entendre. Est-ce qu'il y a d'autres observations sur ce sujet-là? Sinon, je vous proposerai de passer au vote. OK. Donc, qui c'est qui est contre le fait de... OK. Donc, nous avons... Madame Izaguirre, Monsieur Sébastien Tchebar, Madame Françoise Besnard, Monsieur Nicolas Fourcade, Madame Solange Darrieussecq et Monsieur Henri Levrero qui votent contre. Qui s'abstient? Donc, délibération adoptée à la majorité. Je vous remercie. La troisième délibération porte sur une étude de mobilité qu'entend entreprendre le syndicat des mobilités Pays Basque Adour. On a déjà parlé ici assez souvent de la problématique de la route de la Corniche. On sait aujourd'hui qu'à certains endroits, effectivement, cette route est plus que menacée. On sait aussi qu'à moyen, on ne va même plus parler de long terme, parce que je crois que ça ne serait plus raisonnable de parler de long terme et de moyen terme. Cette route devra être fermée, même si c'est une évidence qui est difficile à accepter pour beaucoup, mais c'est une évidence qui se profile. De ce fait-là,
le syndicat des mobilités a décidé de mener aujourd'hui une étude d'ensemble sur la mobilité que nous avons actuellement sur ce littoral sud-Pays basque. Et d'ailleurs, vous avez peut-être pu vous en rendre compte cet été. Vous avez vu au bord des routes, peut-être, des personnes avec un gilet jaune qui faisaient des comptages. C'est dans le cadre de cette étude-là, puisque la première phase de cette étude consiste effectivement à réaliser un diagnostic des flux et des flux circulatoires que nous avons aujourd'hui sur les différentes routes qui traversent ce territoire, et pour ensuite établir dans une phase numéro 2 différents scénarios qui prendront en compte, bien sûr, alors soit une fermeture partielle, soit une fermeture totale, soit une fermeture temporaire, soit une fermeture durable de cette route de la Corniche, en tenant compte aussi, bien sûr, du flux circulatoire qui existe sur cette route-là. Je le rappelle pour quand même, pour avoir une idée, on passe de 9000 véhicules par jour en saison, on va dire, basse, à plus de 15000 véhicules par jour en saison haute, c'est-à-dire saison estivale sur cette route, ce qui n'est pas rien, et qu'il nous faut aujourd'hui très sérieusement et très rapidement, je pense, trouver des solutions pour que ces flux puissent être acceptés sur d'autres routes, voire rocades. Permettez-moi de revenir à cette idée de rocade gratuite entre Biriatou et Bayonne. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans le cadre de cette étude de mobilité, comme vous avez pu le lire dans la convention qui est annexée à la délibération, toutes les solutions, tous les scénarios devront être étudiés. Et aujourd'hui, et à commencer par moi le premier, personne n'est capable de dire quel sera le meilleur scénario acceptable pour tout le monde. Alors, c'est une étude qui va coûter quand même 200 000 euros hors taxes. Financement partagé, comme vous avez pu le lire, donc 20% à la charge du syndicat des mobilités, 25% à la charge de l'État, 20% à la charge du département, 20% à la charge de la CAPB, et les 15% restants qui seront à partager donc entre les communes d'Andaï, d'Urugne et de Cibourg et de Saint-Jean-de-Luz, c'est-à-dire 3,75% pour chacune de ces communes, ce qui représente, en parlant très clairement, une somme de 7500 euros pour chacune de ces communes. Voilà. Je vous propose donc aujourd'hui d'approuver les éléments de la convention financière que vous avez lu attentivement, de m'autoriser à signer cette convention et à la transmettre et de transmettre au syndicat des mobilités toutes les données de comptage d'études circulatoires ou d'enquêtes de mobilité dont nous pourrions disposer dans nos services, pouvant aider bien sûr au bon déroulement de l'étude. La parole est à vous si vous souhaitez faire des observations, si vous avez des questionnements. Non, c'est juste, Monsieur Chevarne. Oui, non, juste pour savoir si vous savez quand est-ce qu'elle va être lancée, si on a déjà un bureau d'études qui a été choisi, et la durée de l'étude, pour qu'on sache à peu près quand est-ce qu'on aura le rendu. Elle a été lancée, puisque, comme je l'indiquais tout à l'heure, des premiers comptages ont commencé cet été. Bureau d'études, non, je ne connais pas le bureau d'études qui est désigné, sauf à ce qu'il soit précisé sur la convention. Je n'ai pas cru le lire, mais on pourra se le connaître l'identité du bureau d'études. Et la durée, normalement, je crois que c'est prévu sur 2 ans, mais c'était vraiment un délai maximum. Hein, fin 2022, oui, 1 an et demi. 2 ans, je dirais 2 ans, à partir du moment où on a commencé à en parler, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est déjà 1 an et demi. Madame Dariussac. Merci. Oui, donc cette étude est indispensable. L'enjeu est majeur pour notre commune, on le sait à bien des égards, sécuritaire, environnemental, économique. Et donc on espère surtout pouvoir être informé très, très, très régulièrement, voire associé aux réflexions menées par le comité technique et le comité de pilotage qui sont créés à cet effet. Voilà.
Tout à fait, vous avez raison, Madame Darrieussecq. C'est une demande express qu'on avait déjà faite aussi lorsqu'il s'était agi d'adopter le plan de mobilité. Et c'est une demande qu'on va renouveler aussi par rapport à cette étude-là, parce qu'effectivement, il faut que l'on soit informé le plus souvent possible et le plus précisément possible de l'avancée de cette étude et surtout de ses résultats. Est-ce qu'il y a d'autres observations, Monsieur Fourcade ? Non, toute petite remarque au passage, toutes les personnes qui empruntent l'autoroute et qui sortent à la sortie, qui pourraient s'appeler Urugne, le premier mot qu'on voit sur le panneau, c'est Andaille-Plage. Les gens sont poussés à passer par la route de la Corniche pour aller à Andaille-Plage en venant de l'autoroute. C'est juste un indice qu'il faut aussi associer la société d'autoroute à cette étude, je pense. D'autres remarques ? Il n'y en a pas. Donc je vous propose de passer au vote. Donc qui vote contre cette étude ? Qui s'abstient ? Décision donc adoptée à l'unanimité et je vous remercie. Délibération d'ordre général toujours numéro 4. On va parler du cimetière et notamment de la prorogation du délai de la procédure de reprise des concessions sans titre. Je vous rappelle que par une délibération du 25 août 2020, nous avions donc déjà délibéré pour approuver cette procédure de régularisation des sépultures sans concession. Et on avait à ce moment-là fixé un délai qu'on laissait aux familles pour se manifester pour régulariser les sépultures sans concession à la date donc du 25 août 2021, donc un an. Compte tenu du fait que le bureau d'études qui nous assiste dans cette procédure-là, qui est le groupe Elabor, avait identifié quand même près de 130 sépultures à régulariser, ce qui n'est pas rien, et qu'aujourd'hui, depuis un an donc, que cette procédure est lancée, il n'y a eu que, je dirais, 38 régularisations, ce qui fait quand même peu par rapport au nombre de sépultures à régulariser. On a estimé qu'il était peut-être judicieux, comme c'est aussi délicat, c'est des procédures délicates, de proroger ce délai au 31 décembre 2021 pour laisser un peu plus de temps peut-être à d'autres familles qui pourraient peut-être notamment venir à l'occasion de la Toussaint, parce qu'on sait tous qu'à l'occasion de la Toussaint, on se rappelle du cimetière et que beaucoup deviennent à cimetière, et donc qui pourraient peut-être à cette occasion-là voir effectivement sur la sépulture qui les concerne le fameux écriteau qui indique que cette procédure est en cours. Donc on a estimé, je pense, utile dans l'intérêt de ces familles-là de proroger ce délai-là. Pour le reste, les conditions, je ne vais pas en faire relecture, vous les avez dans le rapport, mais ce sont les mêmes conditions que celles qu'on avait déjà approuvées le 25 août 2020. Donc l'objet principal quand même de cette délibération aujourd'hui, c'est de proroger ce délai au 31 décembre 2021. Avez-vous des remarques, des observations ou des questions, Madame Darrieussecq ? Est-ce que simplement 130 sépultures concernées, est-ce que toutes les familles ont bien été identifiées et ont pu être contactées, ou est-ce que la difficulté, c'est finalement de contacter les personnes concernées ? Parce que c'est vrai que 38 régularisations, on imagine le travail, et puis c'est un sujet extrêmement délicat, mais voilà, on se demande comment en fait, comment c'est traité ? Est-ce qu'il y a un suivi ? À quelle fréquence comment ça se passe ? Alors, justement, le but principal, je dirais, de cette procédure-là, c'est de permettre le maximum de régularisation, vous l'avez compris. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas à même d'identifier toujours toutes les familles ou tous les, je dirais, pas propriétaires, puisqu'ils ne sont pas propriétaires, ils sont simplement titulaires d'une concession, puisque la propriété reste toujours le domaine public. Donc c'est là tout l'inconvénient, quoi, toute la difficulté, c'est qu'on n'arrive pas effectivement à identifier toutes les familles. Et par la pose de cet écriteau, on estime que ces familles-là, lorsqu'ils viennent rendre visite à leur caveau ou à leur sépulture, peuvent à ce moment-là se manifester, c'est en tout cas ce qui leur est demandé, auprès des services de la mairie.
Et donc, ce qui augmente les chances d'identification, bien évidemment, des familles et donc des régularisations possibles. Mais on n'arrive pas, non, à identifier tout le monde. Sinon, on les contacterait et on n'aurait peut-être même pas besoin, à ce moment-là, de proroger le délai. Mais... Y a-t-il d'autres observations sur la question ? Non, il n'y en a pas. Bien, donc je vous propose de, à tout le moins, proroger ce délai de laisser aux familles pour se manifester donc au 31 décembre 2021. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, délibération adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Cinquième délibération. On va parler de la mise en place d'un service commun donc concernant la procédure de changement d'usage des locaux d'habitation. Mise en place d'un service commun au sein du service ADS, administration droit des sols ou instruction droit des sols, de la communauté d'agglomération Pays Basque. Aujourd'hui, il s'agit donc d'approuver une convention qui va être signé, si vous m'autorisez à le faire, bien évidemment, avec la CAPB, pour qu'on leur confie la gestion et l'instruction des demandes de changement d'usage, comme on le fait déjà pour les permis de construire ou les autorisations d'urbanisme. Alors, l'intérêt, il est fondamental. Il est fondamental à court terme, mais surtout aussi à très très moyen terme. Pourquoi ? De quoi s'agit-il ? Quand on parle de changement d'usage, parce que c'est vrai que changement d'usage, c'est un terme qui peut laisser à beaucoup d'interprétations. Concrètement, il s'agit donc de toutes ces locations de meublés touristiques qui sont réalisées pour de courtes périodes, de façon permanente, donc à l'année, via un certain nombre de plateformes, dont la plus célèbre, on va dire, dont la plus souvent évoquée, s'appelle Airbnb. Aujourd'hui, une personne qui veut procéder donc à ce type de location doit faire une déclaration au sein du service de la commune. Et dorénavant, si on met en place ce service commun, enfin, ce service commun, il sera mis en place. Après, la question sera de savoir si la commune du Rugne, on y adhère ou pas. Ces instructions seront faites, donc, par ce service commun. Déclaration, la commune délivre ensuite ce qu'on appelle un numéro d'enregistrement de la déclaration. Et la personne qui souhaite ensuite faire passer l'annonce sur la plateforme qu'il a choisie, doit fournir à cette plateforme-là ce numéro de déclaration. Et ce n'est qu'à ces conditions-là que la mise en location peut se faire. Aujourd'hui, on n'est pas avec un vide juridique. Il existe déjà une convention qui avait été... un règlement, pour être précis, qui réglemente donc cette procédure que je viens de vous indiquer. C'est un règlement qui avait été voté en septembre 2019 par la communauté d'agglomération Pays Basque. Mais c'est un règlement qui, aujourd'hui, je dis, reste très, très léger. Parce qu'encore une fois, la seule obligation qui est faite aux propriétaires de ce type de biens immobiliers, c'est cette déclaration que je précisais tout à l'heure. Et ensuite, c'est une limite en fonction des communes. Une limite de location. Concernant Urugne, par exemple, on ne peut procéder qu'à une seule location à l'année dans ce système-là. Très léger. Très léger pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on se rend compte que alors, ce règlement s'appliquant qu'aux seules personnes physiques, eh bien, beaucoup de personnes qui ne veulent pas être soumis à ce type de procédure, ont trouvé bien évidemment la parade et ont créé des sociétés civiles immobilières, donc une société de personnes morales, qui n'est pas soumise à cette procédure-là.
Et puis, il y a le constat aussi, je crois, assez évident, c'est que beaucoup de personnes ne respectent pas, ne serait-ce que cette première procédure qui est pourtant, on va dire, très légère, et ce premier règlement qui n'est pas si contraignant que cela, ma foi. Et le problème que l'on a aussi aujourd'hui, c'est les contrôles. C'est que les contrôles ne sont pas réalisés. Donc, je me suis renseigné sur les chiffres qu'il y a pu y avoir en demande faite sur la commune de Rugnes pour les années 2020 et 2021. 28 demandes pour l'année 2020, 21 demandes en 2021. Je vous invite à aller sur les différentes plateformes qui procèdent à ces locations-là. Et si vous vous amusez à relever le nombre d'annonces de locations de meublés de tourisme concernant Urugne, vous verrez l'écart. Alors, il faut quand même apporter une précision. C'est que sur ces annonces qui sont aujourd'hui sur les plateformes, il y a aussi des annonces qui concernent des locations, ce qu'on appelle des locations saisonnières. Et cette précision est importante, je pense, pour le public, parce que à Urugne, il y a beaucoup de familles, on le sait, qui procèdent à des locations saisonnières, par exemple pendant l'été, d'une partie de leur appartement. Donc il faut préciser quand même que cette réglementation qui existe aujourd'hui, par le biais de ce règlement voté en septembre 2019, ne concerne pas toutes les locations inférieures à 120 jours lorsqu'il s'agit d'une résidence principale. Voilà. Donc ça rassure quand même aussi un certain nombre de personnes, parce que quand on commence à parler de cette réglementation, et c'est légitime, beaucoup de personnes peuvent être inquiètes, mais alors, est-ce que j'aurai le droit de continuer à louer mon appartement pendant l'été? Voilà. Ça, oui. Dès lors que vous ne dépassez pas ce seuil des 120 jours, vous pouvez continuer, bien sûr, à louer sans avoir à respecter cette procédure. Cette procédure concerne, encore une fois, lorsqu'on parle de résidence principale, de location qui excède 120 jours et qui se font de façon permanente à l'année, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, pour des périodes courtes, et bien évidemment, tout ce qui est résidence secondaire. Au passage, on parle de résidence secondaire, je vais ouvrir une parenthèse, et après je reviens au sujet, mais je tiens à l'ouvrir. Vous aurez constaté, je pense à la lecture de la presse ces derniers jours, que de plus en plus de communes ont décidé, comme nous l'avions fait l'année dernière, eh bien d'augmenter la part communale de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Je me souviens des débats que nous avions eus ici, et je constate aujourd'hui oui, je me réjouis d'ailleurs, je me réjouis de voir que les familles politiques qui gouvernent aujourd'hui ces communes dans lesquelles on passe à ce vote-là, eh bien, ont bien évolué dans leur conception de ce sujet-là, et je m'en réjouis d'ailleurs. Voilà, comme quoi, nous avions peut-être raison avant les autres. Je referme la parenthèse. Revenons au changement d'usage. Alors, changement d'usage. Aujourd'hui, je parlais tout à l'heure d'enjeux à court terme. À court terme, vous l'avez compris, c'est qu'on décharge la commune au profit, on va dire, de la CAPB pour gérer l'instruction de ces demandes de changement d'usage. Mais il y a un enjeu à moyen terme qui va très très vite se présenter. C'est les enjeux des contrôles. Et là, je profite de cette délibération aussi pour vous apporter une information. Vous avez lu aussi, je pense, durant ces dernières semaines, les différentes mobilisations qui ont été faites, notamment par le mouvement ALDA, qui a fait des actions, notamment ici à Urugne, juste à côté de cet établissement dans lequel nous sommes, puisque nous avons là à côté une plateforme qui n'est peut-être pas tout à fait assimilable à Airbnb, mais bon, qui s'en rapproche, et d'autres actions dans d'autres communes. Et aujourd'hui, la société civile, ALDA, nous a interpellés quand même sur l'augmentation considérable, encore une fois, de ces changements d'usage, bien évidemment, faites de façon illégale. On n'est pas les plus mal lotis, je dirais, Urugne, mais il n'y a qu'à voir Biarritz, il n'y a qu'à voir Saint-Jean-de-Luz, il n'y a qu'à voir Cibourg, qui sont quand même des communes très impactées par ce genre de phénomène
et ces annonces qui sont encore une fois passées en toute illégalité. Parce qu'on a parlé des personnes qui ne respectent pas la procédure, mais il faut aussi parler des plateformes telles que Airbnb qui ne respectent pas la loi aujourd'hui. J'ai indiqué tout à l'heure que pour pouvoir mettre cette annonce sur une plateforme, il faut que la plateforme soit en possession du numéro d'enregistrement de la déclaration qui a été faite en mairie aujourd'hui et qui le sera, je l'espère, au service commun de la CAPB dans quelques temps, et que s'ils n'ont pas ce numéro d'enregistrement, ils ne peuvent pas passer l'annonce. Or, ils le font. Aujourd'hui, des procédures ont été engagées contre cette plateforme, notamment Paris, qui a d'ailleurs gagné le procès. C'est des millions d'euros qui sont en jeu, parce que les amendes qui sont prévues pour la violation de ces procédures-là se comptent en milliers d'euros. Une annonce passée sans numéro d'enregistrement, c'est 12 500 euros. C'est pas rien. Et donc, lorsque la collectivité publique se donne les moyens d'aller jusqu'au bout de la procédure, c'est-à-dire des contrôles, ça rapporte quand même. Ça rapporte, et des sommes que l'on pourrait ensuite, bien évidemment, injecter sur, par exemple, la construction de logements sociaux ou de résidences principales, parce que vous l'avez compris, bien évidemment, tous ces logements qui sont mis en location dans ce système-là sont soustraits, on va dire, du parc qui peut être offert pour de la résidence principale et à l'année. Alors, l'information, c'est que suite à cette interpellation, la communauté d'agglomération aujourd'hui a décidé de s'engager dans une démarche de durcissement de ce règlement dont je parlais tout à l'heure. Un durcissement qui va notamment se manifester de deux façons. Une première, ce sera celle, bien sûr, d'étendre l'application du règlement aux personnes morales, puisque je vous l'indiquais tout à l'heure, l'astuce qui était utilisée par certains, c'était de créer des sociétés civiles immobilières. Et la deuxième façon, et celle-là, elle est beaucoup plus importante et intéressante, c'est le système de la compensation. Ça veut dire quoi, le système de la compensation? Ça veut dire que dès lors qu'une personne loue un meublé touristique selon la procédure que je vous ai indiquée tout à l'heure, elle a l'obligation de louer en parallèle un local à l'année pour de la résidence principale. Donc vous imaginez bien que ça va rendre les choses beaucoup plus compliqué à beaucoup de personnes. Donc c'est ça l'objectif aujourd'hui. L'objectif, c'est bien évidemment, vous l'aurez compris, de réduire au maximum cette possibilité de location et de pouvoir, on l'espère en tout cas, augmenter le parc de logements qui peuvent être loués à l'année, encore une fois, à titre de résidence principale. Donc les enjeux aujourd'hui de confier, certes aujourd'hui, l'instruction de ces demandes de changement d'usage à la CAPB, Il aura sa prolongation, on va dire, quand il s'agira ensuite de faire des contrôles. Parce qu'on aura tout intérêt, lorsque se présentera cette phase-là, de mutualiser au sein de la CAPB les contrôles réalisables. Parce que peut-être que chaque commune n'aura pas les moyens d'embaucher des agents complémentaires pour procéder à ces contrôles. En parlant de contrôles, je cite aussi un exemple, celle de la commune de Bordeaux, qui a mis en place ce système de compensation dont je parlais tout à l'heure et qui s'est donné aussi les moyens d'appliquer les contrôles. Ils ont dû embaucher, je crois, deux agents supplémentaires, si je ne me trompe pas. Et qui dit embauche d'agents supplémentaires dit, bien sûr, on affecte le budget de la commune, mais ils s'y sont très, très vite retrouvés, puisque, comme je l'indiquais tout à l'heure, par les amendes qu'ils ont pu récupérer du fait des contrôles et donc de la constatation des infractions, bien évidemment, ils ont réussi à combler, bien évidemment, le coût salarial des agents qu'ils avaient embauchés. Bon, voilà. C'est un enjeu fondamental aujourd'hui. Et quand on connaît la problématique du logement aujourd'hui sur ce territoire, je pense qu'on a tout intérêt, en s'engageant à mutualiser ces moyens d'instruction puis de contrôle, à vraiment s'engager dans cette voie.
C'est en tout cas la demande, encore une fois, de la société civile. Bon, j'ai peut-être été trop long, mais il me semblait qu'il était important de vous informer de tout cela, et surtout aussi d'informer le public qui nous écoute, parce que c'est un sujet majeur. Je vous laisse la parole. Monsieur Telechir. Oui, Philippe, c'est un peu long. C'est un peu long parce qu'on s'y perd et on a besoin quand même de dire les choses concrètement telles qu'elles sont. Et cette convention, on a besoin quand même de comprendre vers où on va. Effectivement, lorsque ce règlement était sorti à l'époque, il était déjà surprenant. C'est-à-dire que on a visé les propriétaires et on n'a pas visé les SCI. Elles n'ont pas été soumises à cette réglementation. On l'avait déjà regretté, on l'avait exprimé et on n'a jamais compris qu'on ait laissé le temps comme ça aux propriétaires les plus importants de s'organiser. Voilà. Ensuite, là où tu n'es pas clair, c'est sur le système de contrôle. Tu laisses entendre que c'est la commune qui va faire le contrôle ? Aujourd'hui, si on reste en l'état, je dirais oui. Si on reste en l'état. À part qu'aujourd'hui, la commune ne le fait pas déjà, ce contrôle. Ne serait-ce que pour la procédure applicable. Bon. Demain, si on confie... Là, il s'agit encore une fois, soyons clairs, de confier pour l'instant l'instruction des demandes de changement d'usage. La question du contrôle viendra un peu plus tard. Non, attends, Jean, laisse-moi finir. Pour pouvoir faire le contrôle, encore faut-il d'abord, dans un premier temps, qu'on aille jusqu'à l'adoption du nouveau règlement au niveau de la CAPB. Parce qu'il ne serait pas très logique, en tout cas, c'est ce qui est ressorti des débats que nous avions eus au sein de la CAPB, d'instaurer d'ores et déjà des contrôles, encore que c'est tout à fait envisageable, hein, c'est pas exclu. Puis, ensuite, de durcir le règlement. Donc, aujourd'hui, on a pris le parti de durcir le règlement, donc d'aller à l'adoption d'un nouveau règlement avec un calendrier quand même qui est restreint, à savoir, d'ici la fin de l'année, les débats devraient être terminés pour un vote, on l'espère, lors d'un conseil communautaire de début 2022. Et ensuite, on met en place le système des contrôles, ce qui va bien sûr générer aussi le débat sur les moyens que la CAPB dont devra se doter la CAPB pour procéder à ces contrôles. Si on ne le fait pas au niveau de la CAPB, et si on veut être efficace, ce règlement doit être efficace, oui, il va falloir qu'on contrôle nous. Donc il va falloir qu'on embauche nous-mêmes des agents. Voilà. On a l'impression que ce contrôle, on le découvre. Lorsque le règlement a été sorti, c'était il y a 3 ans, on savait très bien que sans contrôle, ça ne fonctionnerait pas. Et c'est ce que tu constates. En 2 ans, 50 déclarations. D'accord ? Et là, maintenant, on se dit, tiens, si on a cette convention, eh bien, on peut s'attendre à ce qu'on ait des contrôles. Ben oui, non, mais évidemment qu'une loi, s'il n'y a pas les contrôles en face, la loi n'est jamais appliquée. Donc je ne sais pas pourquoi, dans l'urgence où on est aujourd'hui, on joue la montre. Je ne sais pas pourquoi est-ce que l'agglomération joue la montre. Tu dois savoir, hein ? Juste un point qui rejoint un peu celui de Jean Telechir, c'est que quand on confie une procédure comme ça à l'aglo, qui est quelque chose d'important, je pense que ce ne sera pas assez réactif. Quand on confie les procédures, on va perdre le contrôle, parce que je ne sais pas comment on peut conserver le contrôle alors qu'on confie les procédures à quelqu'un d'autre, et ensuite perdre les sanctions également. Donc je pense que comme dans l'alimentation, il faut privilégier le circuit court et on devrait le régler chez nous, ça, parce qu'il n'y a quand même pas des... Je ne sais pas le nombre de dossiers qu'il y a, je n'ai pas retenu. Mais bon, il n'y a pas grand-chose comme dossier, je ne pense pas. Je pense que le service urbanisme pourrait le gérer, enfin, peut-être pas en l'état actuel, mais bon, mais le confier au plus près. Et autre chose, une petite parenthèse, tant que j'y suis, au niveau de la surtaxe de 60%, les problématiques ne sont pas les mêmes entre Rugne et les villes que tu as citées. Nous ici, je m'en souviens très bien, tu l'as appliqué pour te faire plaisir, par idéologie politique, alors que dans les communes que tu as citées, ils étaient en nécessité de le faire. Voilà, je ferme la parenthèse. Monsieur Tchiba.
étonnant de, qu'on vous reproche effectivement de, enfin, qu'on vous demande de traiter en direct, et dès que vous allez recruter, on va vous reprocher de faire des recrutements. Parce que je ne pense pas qu'en l'état actuel des choses, vous puissiez le traiter à constant, enfin à moyen humain constant. Voilà. Vu les difficultés qu'on a, que vous avez déjà à faire les contrôles sur les permis, hein, c'est aussi l'objet de la question diverse, vous l'avez évoqué, je vois mal comment il pourrait avoir une surcharge de travail et l'absorber. Donc, moi, je ne pense pas que la question soit, effectivement, communauté d'agglomération, commune. Le tout, c'est de trouver un système où, effectivement, lorsqu'on a une nouvelle réglementation, lorsqu'il y a une réglementation, bien, vous savez, on a beau être basque, on est aussi français, et que le français, bien, s'il peut déroger à la règle, s'il peut pousser ses limites, bien, il va le faire. Et je pense qu'autour de la table, on en connaît tous, même dans nos familles, qui le font. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de contrôle, forcément, ça ne sera pas respecté. Donc, c'est vrai que c'est un peu étonnant. Je rejoins Jean Telechia sur le fait de dire c'est au bout de 2-3 ans qu'on se pose la question. Donc, ce n'est pas responsabilité mairie, comité de commune, hein, ou comité d'agglo. Mais c'est vrai que dès qu'il y a une application, qu'il y a un texte de loi, si vous ne mettez pas, et là je passe en règle générale, des moyens de contrôle derrière, il y aura peu d'efficacité de la mesure. Donc, c'est vrai que ce texte-là vient se rajouter. Et les moyens, moi, nous paraissent intéressants, hein, qu'ils soient agglo ou traités par la commune, peu importe. L'agglo le propose, qu'on y aille, pourquoi pas, mais c'est derrière, qu'est-ce qu'on a comme moyen. C'est surtout ça qu'il faut essayer de voir. Ceci, c'est pour dire, on applique des textes, mais au final, derrière, on ne les contrôle pas, ou on n'évalue pas, ou on ne les suit pas. Comme beaucoup de politiques publiques, malheureusement, elles n'auront pas été suivies de fait. Et c'est ça qui exaspère, entre guillemets, aussi la population. Donc nous, on est assez favorable à ce type de mesure, tout en étant, alors pas suspicieux, mais attentif, entre guillemets, à ce que, aux moyens qui seront mis en place derrière. Oui, tout à fait d'accord avec vous, M. Cheban, hein, c'est M. Telchias, pareil, hein, c'est... S'il n'y a pas de contrôle, effectivement, il n'y a pas d'efficacité. Ça, c'est clair. Bon, voilà. Et dans les débats que nous avons pu avoir aussi sur ce sujet-là, au niveau de la CAPB, c'est ce qui est très clairement ressorti. C'est qu'effectivement, il va falloir se doter des moyens nécessaires pour appliquer ces contrôles-là. Bon, écoutez, au-delà du plaisir qui a rapporté quand même 180 000 euros à la commune, je vous propose de passer au vote sur cette délibération. Qui est contre? Donc, contre M. Levrero et Mme Darrieussecq, avec le pouvoir donc de M. Gavilan. Qui s'abstient? Ok. Donc, délibération adoptée à la majorité. Je vous remercie. Sixième délibération, formation en langue basque, en euskara. Il s'agit de la constitution donc d'un groupement de commandes et signature d'une convention avec la communauté, là aussi, la communauté d'agglomération Pays Basque. Bon, comme vous le savez, c'est très clair. Nous avons été élus sur un programme qui prône bien évidemment le développement de l'euskara dans nos services pour que nous ayons de plus en plus d'agents qui soient aussi en mesure de répondre dans leur langue maternelle à la population qui utilise cette langue maternelle. Donc, on est en plein dans notre programme, dans notre objectif de développer la formation et de proposer à nos agents cette formation-là. Nous avons reçu cette proposition de la communauté d'agglomération Pays Basque, qui est dans la même philosophie, et c'est heureux, et qui a proposé donc aux communes qui souhaitaient aller dans ce sens-là, de faire un groupement de commandes. L'intérêt, bien évidemment, comme on le fait dans d'autres domaines d'un groupement de commandes, c'est d'avoir ensuite des conditions quand même qui peuvent être beaucoup plus avantageuses que si chaque commune allait négocier avec le prestataire de son côté. Voilà. Donc il s'agit de m'autoriser à signer donc avec la CAPB cette convention d'adhésion au groupement de commandes que vous avez en annexe. La parole est à vous, si vous le souhaitez. Prudent, si tu veux apporter des compléments, il n'y a pas de... Non, seulement, on peut ajouter... Ouais.
Bye. De rajouter que cette proposition de groupement de commandes nous est arrivée très tard. Nous étions déjà en train de travailler directement avec le prestataire, qui est AECA. Et donc, tout ça a été prévu pour faire dans les délais demandés. Mais cette proposition nous a semblé intéressante, dans le sens où, comme disait M. le maire, le fait de commander en groupe, ça peut nous aider dans la partie économique et aussi des aides peut-être autres de préparation dans les formalités et tout ça. Donc voilà, moi je pense que c'est une bonne idée et qui n'entrave pas du tout la voie qu'on avait prise, qui était un traitement directement avec le prestataire parce qu'on n'avait pas reçu cette proposition de commande. Monsieur Fourcade. Dans mon esprit de citoyen, la CAPB est là largement pour mutualiser tout un tas de choses. Les achats de services et de prestations, comme c'est le cas ici, me paraissent être tout à fait logiquement pris en charge par la CAPB, mais de même que les achats de gomme, de crayons, de verres, de bouteilles, etc. Pourquoi faut-il une convention particulière pour ces achats-là et faudra-t-il délibérer en conseil municipal toute la longue liste d'achats potentiels qu'on doit faire au niveau de la CAPB. Je suis surpris que ça ne soit pas déjà couvert par une convention plus générale. Voilà. Ce que dit Nicolas, on en a discuté, on trouve ça étonnant comme c'est une compétence qui est déléguée à l'agglomération, qui n'est pas une convention globale, à la limite, qui nous évite, entre guillemets, à avoir faire plusieurs délibérations, si on devait avoir faire plusieurs délibérations, sachant qu'AECA, c'est aussi le seul prestataire. Voilà, c'est juste pour éviter au niveau administratif. Oui, on est plutôt favorable sur le principe, hein, mais simplement quelques précisions par rapport au coût des prestations aussi, parce que elle est quand même assez vague, cette convention, et il est indiqué que chaque membre aura la charge du financement et du règlement des comptes concernant la partie des prestations et fournitures correspondant à ses besoins. Bon, voilà, je rejoins tout à fait mes collègues. Ça reste assez flou, finalement. Alors, je vais répondre sur deux points. Pourquoi il n'existe pas de convention, on va dire, générale aujourd'hui au sein de la CAPB pour procéder à des groupements de commandes dans plusieurs domaines? Je dirais tout d'abord pour la bonne et simple raison que la communauté d'agglomération Pays Basque n'a pas encore, et ne l'aura certainement jamais non plus, toutes les compétences, puisque les communes gardent aussi quand même un certain nombre de compétences et que dans les domaines dans lesquels nous sommes, nous avons gardé la compétence, bien évidemment, ce sont les communes qui restent à même de passer les différents marchés. On pourrait envisager, pourquoi pas, en poussant ce raisonnement-là, que dans tous les domaines de compétences de l'agglo, on ait une convention effectivement générale. Pourquoi pas? C'est une suggestion que je ferai. Pour répondre à l'interrogation de Mme Darrieussecq, le coût de la prestation, on ne peut pas vous le donner aujourd'hui parce que c'est un marché qui va être passé à un moment donné. Et tout dépendra aussi, je suppose, du nombre de communes qui vont être intéressées par ce groupement de commandes. Et de là va aussi dépendre, je pense, le coût des prestations. Voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, je suis bien en mal de vous donner un chiffre précis parce que ce chiffre sera à déterminer en fonction, encore une fois, des circonstances que je viens d'indiquer. Monsieur Telechia. Alors moi, j'ai reposé la même question que j'ai déjà posée. Si ça peut aider la politique linguistique du Réunion, c'est très bien. Mais c'est toujours la même question que je pose, c'est quand est-ce qu'on va nous présenter la politique linguistique du RUN? J'ai dit une bêtise? Ça viendra. Et tu es invité à y participer, bien évidemment, au-delà des questions posées en conseil municipal. J'aurai l'occasion de la reposer, alors, c'est ça que tu veux dire? Tu la reposeras certainement.
D'autres observations? Il n'y en a pas, donc je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Pour la délibération numéro 7, dans laquelle on va parler des conventions de mise à disposition de locaux communaux aux associations, je vais céder la parole à Madame Isabelle Alcayaga. Oui, merci. Donc, comme chaque année, les locaux municipaux donc, sont octroyés aux différentes associations. Et nous vous avons proposé la liste, là. Je les reprends tous, ou vous les avez... ça va aller. C'est gentil, merci. Et donc, après une réunion avec, où on a invité toutes les associations, on a vu avec eux leurs demandes et on a essayé... On a fait en tout cas notre maximum pour accorder et attribuer ce qui était demandé par les associations. Et aujourd'hui, toutes les salles, ou quasiment toutes, sont partagées à plusieurs associations. On n'a pas eu, en tout cas, on n'a pas eu à aujourd'hui de retour avec problématique. Ils étaient tous ravis de pouvoir reprendre leurs activités après un an et demi quasiment de rupture et de non-activité. Tout le monde était content de pouvoir reprendre. Et juste à signaler qu'il y avait quelques nouvelles associations qu'on a intégrées de nouveau. Voilà, on arrive encore aujourd'hui à partager les salles. Je ne sais pas jusqu'à quand. Y a-t-il des questions, des observations, Monsieur Tchevarne? Oui. Enfin, oui, il y a des observations, parce que effectivement, c'est quand même un point qui était dans le cadre de votre campagne, quand vous étiez en opposition, que vous aviez fustigé à l'époque par rapport à l'équipe précédente, c'était sur la transparence des critères d'attribution, que ce soit au niveau des subventions, mais également des mises à disposition des locaux. Or là, en fait, on a une délibération, effectivement, où on nommait... que c'est effectivement, ça a été discuté, il y a eu une discussion avec les associations, il y a une nouvelle association qui a eu des attributions locaux, mais Mme Alcayaga pose effectivement la question, à savoir jusqu'à quand on va pouvoir accepter et continuer à accueillir d'autres associations. Donc la question des critères d'attribution, elle est plus que jamais, je dirais, d'actualité. Or aujourd'hui, on ne voit pas là aussi venir de nouveaux critères, en tout cas on n'a pas non plus été associé ou informé au niveau de la commission, me semble-t-il. Donc il est difficile pour nous de voter pour ce texte-là. Alors ce n'est pas un vote contre les associations, au contraire. Mais on ne voit pas, si vous voulez, de règlements d'attribution, de critères qui ont évolué ou de transparence à ce niveau-là. Aujourd'hui, les attributions des créneaux, c'est en fait les demandes des associations. On est à l'écoute des associations. C'est eux qui demandent ce qu'ils nous veulent et on fait le maximum pour honorer toutes leurs demandes. Aujourd'hui, ce n'était pas forcément le cas par le passé. Tous les locaux sont partagés et sans aucun souci. Vous parliez des subventions, ça viendra dans un autre temps. Mais aujourd'hui, l'attribution des locaux se fait par rapport à la demande, par rapport à l'activité, par rapport au nombre de personnes, de la taille de l'association ou du local. C'est vrai qu'il y en a qui en ont plus que d'autres parce qu'il y a plus d'activités ou des activités qui ont plus ou moins de personnes. Donc on essaye de combiner tout ça avec eux et pas nous, c'est pas nous qui décidons, c'est eux. Et en fonction de leurs demandes, on fait les propositions de salles. Des fois, ils s'arrangent entre eux parce que tout compte fait... une salle convenait l'année dernière, mais cette année, il y a plus ou moins d'adhérents. Et donc, du coup, ça arrange le voisin d'avoir telle salle. Donc, c'est en totale concertation entre eux et nous. Ce n'est pas nous qui décidons de donner telle ou telle salle. C'est vraiment en fonction du besoin et à l'écoute des associations. Si je peux compléter... pour vous rassurer ou pas, d'ailleurs, je ne vais peut-être pas vous rassurer, mais que ce travail sur l'attribution des critères, sur les critères d'attribution, pardon, j'inverse les mots,
est en cours, bien évidemment. Il n'a pas commencé là, hier. Il a commencé depuis un certain nombre de mois, mais c'est un travail fastidieux. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors, on peut bien sûr nous faire le reproche, je l'entends, hein, qu'on va passer vite, mais c'est en cours, mais je vous assure que ce n'est pas quelque chose de facile. Mais on va le mettre en place, comme on s'y est engagé. On va le mettre en place, mais avec le temps nécessaire pour le mettre en place. Les travaux qui sont faits dans la précipitation, souvent, arrivent à de mauvais résultats. Après, moi j'entends, et c'est votre rôle aussi, bien sûr, d'être impatient et de dire qu'on travaille trop lentement. Vous aviez fait des annonces. Voilà. Ah, mais elles sont maintenues, les annonces. A priori, on n'avait pas donné de délai, il ne me semble pas. Peut-être. Voilà. Y a-t-il d'autres observations sur ce sujet-là? Sinon, je vous propose de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Voilà, il me semblait, Madame Izaguirre, Monsieur Tchébarne, Madame Besnard et Monsieur Fourcade s'abstiennent. Donc, délibération adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. C'est les abstentions. Je rappelle la règle pour ceux et celles qui doutent encore que les abstentions ne sont pas comptabilisées. Seuls les votes contre sont comptabilisés, entre guillemets. Donc, dès lors qu'il y a une délibération qui passe qu'avec des abstentions, elle est considérée comme être adoptée à l'unanimité. Huitième délibération, on va parler du règlement intérieur service jeunesse et je vais céder la parole à Madame Gaëlle Claire. Donc, bonsoir à tous. Donc effectivement, on vous propose une délibération concernant les règlements intérieurs des structures d'accueil de loisirs. Vous n'êtes pas sans savoir que notre commune dispose de plusieurs structures d'accueil de loisirs. Et donc au vu des différents dispositifs existants, et pour vraiment dans le souci d'une simplification pour les parents et les familles, il nous a semblé important et intéressant que de pouvoir regrouper dans un même règlement intérieur les différentes informations relatives à donc, ces structures d'accueil, tout en préservant bien évidemment les spécificités propres à chaque structure, que sont par exemple les différents horaires d'accueil. Et donc on vous propose, le règlement intérieur était joint en annexe, si vous avez pu en prendre connaissance, et donc on vous propose de pouvoir mettre à la signature ce règlement intérieur. Y a-t-il des questions, des observations, des remarques? Il n'y en a pas, donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Et nous allons aborder les questions du service des finances. Et pour ce faire, je cède la parole à Monsieur André Bayot. Merci Philippe. Donc la première question concerne donc un réajustement sur l'autorisation de programme et crédit de paiement qui concerne le cheminement piéton-cycle du bourg à Aulette. En l'état d'avancement du dossier, qui en est au stade donc des cheminements possibles, de tracés possibles et de la consultation des riverains, il ne nous semble pas logique de laisser la somme qui avait été attribuée budgétairement de 300 000 euros, puisqu'elle ne sera pas consommée. Et donc, il nous semble nécessaire de revoir donc, la répartition triennale du dossier en amputant cette année 2021 de 100 000 euros pour la reporter sur les échéances ultérieures. Donc, il vous est proposé de réviser la ligne budgétaire qui avait été initialement prévue de 300 000 et de la porter à 200 000 euros. Juste pour compléter, avant de vous céder la parole, je tiens aussi à préciser, effectivement, on a parlé de l'avancement du dossier. Vous avez pu le constater, c'est qu'on a souhaité aussi mener ce dossier vraiment dans le cadre d'une démocratie participative, c'est-à-dire
de concerter aussi la population, de consulter la population. Et vous avez dû certainement assister, voir en tout cas, voir ensuite sur le site et autres supports, qu'il y avait plusieurs possibilités, plusieurs tronçons qui étaient proposés et qu'on a demandé à la population de s'exprimer pour, bien évidemment, dire quels étaient les tronçons qu'ils préféraient. Voilà, c'est parce que c'est quelque chose d'important, c'est un projet important. Et on est là aussi, bien sûr, dans le cadre de notre programme, à savoir, dès qu'on le peut, et surtout sur ces projets importants, de pratiquer cette démocratie participative. Donc, bien évidemment, cela n'est pas sans influence, bien évidemment, sur l'avancement du dossier. Mais c'est important de prendre le temps aussi de la concertation. Monsieur Telechea, vous souhaitez vous exprimer? Oui, j'ai trouvé intéressant de consulter les administrés sur ces questions-là, surtout qu'il y a beaucoup de scénarios possibles. D'accord? Et en fonction des priorités des uns et des autres, ces scénarios, il y a des combinaisons importantes, d'accord, et des solutions. J'aurais préféré, dans les questions, quand même, qu'on oriente un petit peu le sujet. Hein? C'est-à-dire qu'on a l'impression que ces questions de pistes cyclables, elles sont quand même tournées vers du loisir, alors que l'objectif, c'est quand même de changer de modèle de déplacement. Et ça a manqué, ça, un petit peu dans les questionnaires. Donc j'ai peur que les gens choisissent des itinéraires plutôt paysagers, sympathiques, et pas forcément les plus pratiques. Alors moi, dans les réponses, justement, j'ai fait en sorte de répondre et de dire, attention, il y a des scénarios qui sont plutôt agréables, mais il y a des scénarios qui sont quand même qui vont permettre de répondre à un intérêt de déplacement du quotidien. D'accord ? Ensuite, vous nous avez envoyé les réponses. Vous nous avez envoyé des réponses. Ces réponses, elles n'étaient pas triées, elles étaient brutes. Donc je n'ai pas réussi à les lire, moi. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont réussi à les lire. Ouais. Voilà. Et ensuite, est-ce qu'il y aura une restitution aux administrés, notamment à ceux qui ont répondu au questionnaire ? Alors effectivement, puisque tu as eu les résultats, tu as bien vu que le choix, il a été fait par la population. Et donc, on voit qu'il y a deux critères. Le premier, c'est de Berouette à Aubourg. Les gens ont voulu aller vite. Donc, en gros, les réponses, et tu as toutes les réponses pour que, justement, on n'a pas fait le tri. Donc, tu as eu toutes les réponses. Tu vois la réponse de tout le monde. Donc, il suffit de savoir lire après pour pouvoir savoir. Mais non, mais on ne va pas te faire, on ne va pas t'envoyer. On t'a mis toutes les réponses. Donc, tu peux pas, on ne peut pas te faire un résumé de ces réponses-là. Donc, elles y sont toutes. Et on voit bien que de Berouette à Aubourg, les gens veulent aller vite. Donc, on préférait un chemin le long de la route départementale. Sans pente, parce qu'il y a aussi le critère, les gens, certains disaient qu'ils étaient pentus de l'autre côté, etc. Et on voit que de l'autre côté, de Berouetta jusqu'à Trevegna, au contraire, les gens ont préféré le plus agréable, c'est-à-dire presque le long de la départementale, mais le long du chemin. Et effectivement, il y a deux itinéraires qui sont entre Berouetta et, on va dire, le camping juste après la douane d'Herbourg, où les deux sont pratiquement à équivalence, et donc le bureau d'études travaille sur les deux pour qu'on puisse faire un choix, puisque quand c'est presque à 50-50, il faut étudier les deux pour voir effectivement les critères et qui nous puissent nous faire le plus et le moins pour qu'après le choix soit fait. Et donc une fois que tous ces critères seront faits, il y aura forcément une restitution par voie de presse, par le site, par le Facebook de la mairie, pour que les gens puissent avoir le résultat complet de ces études et avec effectivement la faisabilité qu'a décidé le bureau d'études. Monsieur Chevard. Non, pour rebondir, c'est vrai que ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une synthèse quand même de ce type de consultation, parce qu'elle est intéressante sur le fond. Hein. Il y a pas, je pense que certains ouvriers vous ont appris aussi, ou nous ont appris qu'il y avait des chemins, des ponts qui existaient avant et dont on n'avait même plus connaissance. Voilà, donc ça, c'est, je trouve intéressant parce que il n'y a que les habitants de ce quartier-là, les anciens, qui peuvent effectivement nous éclairer sur ça. Et ça peut être des solutions intéressantes. Là où nous, on ne sera jamais d'accord, c'est sur le choix que vous avez fait. C'est-à-dire qu'on est, et vous le savez très bien, en termes de financement, on ne sera pas sur des financements prioritaires, parce qu'on n'est pas sur un axe prioritaire. Donc on est, et M. Telachi l'a dit, on est plutôt sur du loisir. C'est-à-dire autant Berouetta-Bourg a une vraie, à mon avis, une vraie pertinence, voilà, parce qu'on est sur un quartier urbain, on relie deux quartiers urbains,
Autant le reste, on n'est plus sur du loisir. Effectivement, la problématique de domicile-travail, je la vois assez peu, comme je la vois assez peu d'ailleurs sur, entre le château et Cibourg, quoi. Mais voilà, on est sur la même logique, sur la même façon de faire. Donc je pense qu'on aura ce type de délibération, on devra en avoir une quinzaine là, pendant 3 ans. Bon, c'est une délibération purement administrative. Moi, j'ai pas, c'est la PCP, il y a un décalage en termes de financement, il faut décaler, donc il n'y a pas de souci. Mais on s'abstiendra parce que vous savez très bien que sur le fond, ce projet-là, combien même vous faisiez la démocratie participative maintenant pour élaborer, sur le fond, nous ne pensons pas que cet investissement-là soit nécessaire. L'investissement nous paraissait beaucoup plus essentiel dans la restructuration du bourg, et ne serait-ce que dans le raccrochement de la voie piétonne qui a été faite le long de la Rouletta et du château au bourg, parce qu'aujourd'hui, elle n'existe pas. Donc, elle va certainement être étudiée, je pense, en reliant les deux. Mais voilà, pour nous, il y avait d'autres priorités que celle-là, en début de mandat, et notamment, et on y reviendra, et on est déjà revenu sur la restructuration du bourg. Oui, juste, effectivement, on n'est pas d'accord, mais c'était effectivement, nos programmes étaient différents. C'est pour ça. C'était dans notre programme, et on fait ce qui était dans notre programme. Certainement. Y a-t-il d'autres remarques, d'autres observations? Je n'en vois pas. Je vous propose donc de passer au vote, donc de réajuster cet APCP, donc avec une répartition des crédits de paiement telle que prévue dans le tableau joint. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc on a 4 abstentions, Monsieur Nicolas Fourcade, Madame Françoise Besnard, Monsieur Sébastien Tchébarne et Madame Agnès Izaguirre. Donc, délibération adoptée à l'unanimité. Deuxième délibération financière, Monsieur Bayot. Bien, donc des dépenses nouvelles, par contre, nous obligent à envisager des modifications et des ajustements au budget 2021. Je vais vous en donner les détails, notamment sur la section fonctionnement. Certains de nos baux ruraux ne serait pas en conformité avec la loi ou le droit. Et donc, il y a lieu d'envisager une enveloppe de 2 500 € pour les revoir. Nous avons engagé donc 2 études à l'assistance de maîtrise d'ouvrage pour le marché de la téléphonie qui va être renouvelée et pour l'assurance du personnel en termes de prévoyance. Ces 2 postes représentent une somme de 7 500 €. Nous n'avons pas pu malheureusement anticiper les mesures sanitaires des écoles applicables à partir du 1er septembre et donc nous avons dû acheter pour 3 600 € de masques. Et enfin, en mauvaise surprise, la grosse balayeuse qui nous sert d'outil de nettoyage de nos routes et trottoirs est tombée en panne. Malheureusement, il faut continuer à nettoyer et donc nous avons dû envisager la location d'une balayeuse pour 4 000 €. Ces dépenses nouvelles représentent un montant de 17 600 € pour lesquelles nous n'avions pas de recettes à mettre en face et donc nous prévoyons de diminuer le virement à la section d'investissement d'un montant de la même hauteur. Au plan de la section investissement, nous avons pour projet à partir de l'année prochaine, mois de mai, de rendre le parking, le stationnement payant à Socoy. Pour une raison essentielle, c'est qu'il est d'abord devenu empirique. Je vous invite un jour à aller voir ce qui se passe l'été. Vous avez sur le domaine public qui est devant les nombreux logements des véhicules qui stationnent à demeure depuis des mois, de type camping-car et autres. De plus, nous avons aussi un phénomène de véhicules ventouses. Et si vous voulez aller vous garer, par exemple, au premier parking qui est après le pont de Socoy, à gauche, pour entrer sur Rugne, vous verrez qu'il est occupé pratiquement à 80% jour et nuit, ou plutôt de nuit. Bon, je ne vous cacherai pas dessus aussi que si l'on peut, par ce biais-là, créer 3 emplois temporaires, ça ne sera que bien. Nous avons donc présenté ce projet de stationnement payant au dernier comité de quartier de Socoy. Il n'a pas été accueilli avec enthousiasme, mais néanmoins, on nous a dit qu'on avait raison, parce que ça répondait à un vrai besoin. La solution étant quand même de garantir un temps soit peu aux Socotards le moyen de se garer,
si jamais ils étaient appelés à payer le stationnement. Pour envisager l'acquisition de matériel, même à horizon 2022, nous devons avoir inscrit la somme au budget 2021, puisqu'il va falloir passer des commandes de cette année. C'est pour ça qu'il vous est proposé de dégager la somme de 135 000 euros à l'acquisition de matériel. Nous avons dû récemment rembourser la garantie d'un changement de propriétaire pour un lot d'Ibardine à hauteur de 3 020 euros. L'étude de la Gorniche, monsieur le maire en a parlé, donc pour 7 500 euros. Le pont de la Glacière, vous savez que ce pont s'était... Vous m'arrêtez si ce n'est pas clair. Ce pont s'était effondré et qu'il fallait le reconstruire. Initialement, nous avions prévu un type de construction que la police de l'eau nous a retoqué, avec un surcoût qui avoisine les 50 000 euros. C'est pourquoi vous trouverez 65 000 euros pour se sécuriser sur ce poste. En plus de la balayeuse, une tondeuse est tombée en panne pour 3 800 euros. Une de grosses réparations sur le camion et la balayeuse dont je parlais tout à l'heure pour 20 000 euros. Suite au plan communal de sauvegarde, on nous a fait des préconisations sur l'achat de matériel pour pouvoir tenir des réunions éventuellement en cas de problème, à hauteur de 2 600 euros. Nous avions initialement prévu le déplacement d'un arrêt de bus, et il faut en envisager un second, pour 12 000 euros. Des études de géomètre pour 2 000 euros. L'aménagement du boulodrome, dont je ne doute pas qu'on l'évoquera peut-être tout à l'heure, le boulodrome étant la zone de parking qui est juste à droite, après le petit pont de Lunchin en allant vers le stade, à hauteur... Je pense qu'on va en discuter. On a dit qu'on la maintiendrait, mais qu'on en discuterait. La mise aux normes, donc... en normes handicapées de l'arrêt de bus du bourg pour 15 000 euros. On ne réalisera pas le goudronnage du parking du centre technique municipal. Nous ferons là une économie de 40 000 euros. Que j'ajoute aux 100 000 euros du chemin piéton-cycle, donc un crédit de 140 000 euros total, et pour équilibrer les opérations, au crédit de l'aménagement de quartier, 8 730 euros, ce qui fait un total de dépenses d'investissement de 149 650 euros qui s'équilibre comme suit. Les recettes, donc, la contribution de Hendaye pour le pont de la Glacière pour 16 250 euros. Nous avons reçu la subvention de l'État pour la réhabilitation du stade pour 115 000 euros. De même, nous avons reçu le remboursement de l'assurance pour le grillage du fronton à hauteur de 36 000. Et enfin, on va déduire le virement de la section fonctionnement qu'on ne fera pas à hauteur de 17 600 euros. Total recette nouvelle 149 650 euros qui équilibre les dépenses nouvelles d'investissement. Si vous avez des questions... Madame Darrieussecq, on va être galant, et ensuite Monsieur Lebrun. Merci. Alors nous sommes plutôt favorables à ces différentes écritures, sauf deux. Les horodateurs et le boulodrome. J'en profite pour remercier Cyril Couriol, les services techniques et Nicolas Régéra pour le déplacement de l'arrêt de bus de Cagnetta. C'était attendu depuis très longtemps par... pas mal de monde et ce sera très apprécié. Merci beaucoup. Les horodateurs. Alors, les arguments avancés sont tout à fait... on peut tout à fait les entendre. Ce qu'on peut entendre aussi quand même, c'est que le risque, c'est l'occupation des parkings des résidences voisines pour justement éviter de payer. Et donc, ça peut provoquer un mécontentement encore plus poussé des riverains.
les commerçants aussi peuvent craindre une perte de chiffre d'affaires avec peut-être moins de fréquentation du fait du paiement hein, de ces places, alors qu'on est toujours sur une sortie de crise qui n'est pas encore acquise. Hein. Et également donc un équilibre financier sur cette opération qui n'est pas si évident, entre un coût d'achat qui reste important, des frais d'entretien, des probables dégradations à venir, et puis des frais de police municipale. Concernant l'aménagement du boulodrome, bon, j'ai déjà exprimé à plusieurs reprises en commission mon sentiment sur le sujet et mon désaccord total par rapport à ce choix pour l'installation de commerces ambulants. Ces commerces qui ont fait le choix, mais on en parlera plus loin en questions diverses, qui ont fait le choix de leur emplacement actuel depuis plusieurs années pour certains, justement en raison de la proximité du passage des véhicules et d'une parfaite visibilité depuis la route. C'est le critère numéro un. Donc les déplacer dans un emplacement en retrait de cette visibilité mettrait à mal la pérennité de ces commerces. Voilà mes deux observations. Merci. Non, juste un complément, parce que tout a été dit. Ce qu'on pensait, c'est que vu le montant d'investissement de 135 000 euros, je crois que tu vas encore te faire plaisir pour rentabiliser tout ça. Je pense que quand on investit, on fait un pari. Et tout pari, tout investissement se fonde sur des hypothèses. On n'est pas devin. On n'est pas devin pour effectivement savoir que la fréquentation est supérieure dans les parkings de la plage, notamment quand il fait beau, ou les samedis, dimanches. On est incapable de prédire effectivement le temps qu'il fera l'année prochaine sur ces périodes. Par contre, l'expérience qui a été menée sur des villes voisines nous montre que, à l'issue de X années d'utilisation, ils ne sont pas revenus en arrière. Le problème des parkings, et notamment celui d'une expérience manquée, c'est un investissement qui est fait, comme on le disait tout à l'heure, sans contrôle qui va bien. Effectivement, si on met un paramètre et qu'il n'y a personne pour contrôler qu'il a été payé, personne ne le paiera. Donc on a prévu effectivement un retour à 5 ans, sachant que le matériel que l'on va installer, le retour sur investissement et la durabilité du matériel, il est plutôt à 8 ans. Ça, c'est une première chose. La deuxième, oui, j'entends ce que nous dit Solange, ça peut arriver, bien sûr. Mais ce matériel est là, est mobile et sera démonté à l'issue de la saison. Il n'est pas question de le laisser en place du mois d'octobre au mois d'avril suivant. Donc, voilà. Monsieur Telecha. On ne va pas faire l'économie d'une discussion, d'une explication sur le boulodrome. Hein. Ça fait quand même quelques jours qu'on a des commerçants qui sont extrêmement remontés, pour certains, sur des propositions qui ont été faites de les déplacer vers un projet boulodrome. Les autres ne sont au courant de rien. Alors moi, je ne sais pas bien lire, Nicolas, mais enfin, il y a un défaut de communication quand même sur ce dossier-là. Hein. De la même façon que les travaux que tu suis, les commerçants ont subi des travaux à Kishwenia, sans être prévenus. Ils ont appelé la mairie pour dire « Attention, est-ce que j'ouvre mes commerces ? Il y a des pelles mécaniques dans tous les sens. Est-ce que c'est dangereux pour mes clients ?» Personne ne leur a répondu. Ils ont rappelé pour dire combien de temps ça va durer. Personne ne les a rappelés. Donc, je ne sais pas bien lire, mais enfin, de temps en temps, il faut prendre son téléphone, se déplacer et aller voir les commerçants. D'accord ? Donc, ce boulodrome, c'est quoi ce projet ? Alors, Monsieur Telecher, si vous permettez... Effectivement, je répondrai à toutes vos préoccupations sur le boulodrome dans le cadre des questions diverses, puisque vous avez les trois groupes posé une question sur la question du commerce ambulant. Donc, vous me permettrez de répondre dans quelques instants sur ce sujet-là. Est-ce que M. Chivast... Oui, pour nous avons le même message. Sur le deuxième point évoqué par Solange Dariussec, on est totalement d'accord. On en reparlera tout à l'heure, mais c'est ce point-là qui nous fera voter contre cette modification. Sur le premier point qu'on voulait souligner, c'est sur le sujet des eurodateurs, qui représentent quand même un montant de 135 000 euros.
et qui représente également un véritable changement qui va impacter la population locale, les habitants, les touristes, les gens qui viennent à la plage. Donc il y a un véritable impact sur la population. On est très étonné que ce point, qui est à la fois important au niveau financier et des impacts, soit abordé par la section finances, sans qu'il y ait eu de concertation, de commission, de discussion, de débat. Je suis très heureux d'apprendre que ça a été discuté en comité de quartier. Quel pourcentage de population a été touché par ce biais, je ne sais pas. Quelles ont été les réactions? On a eu une petite information, mais ce n'est pas très précis. C'est vraiment un point qui est important à tout point de vue et qui aurait mérité des débats en commission. Voilà, c'était ce qu'on voulait dire. Juste pour compléter, comme à l'époque, je travaillais à la mairie de Cibourg. Ils avaient fait le choix, effectivement, à un moment donné, de mettre des horodateurs. C'est un peu comme, si vous voulez, sur la mesure d'urbanisme. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas des contrôles, si vous ne mettez pas une politique en place de la prévention, en fait, tout un système qui fait... C'est-à-dire que ce n'est pas l'horodateur seul. Et c'est vrai que ce qui est un peu étonnant, c'est qu'on attaque que par le côté financier de l'horodateur aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on a l'information, nous, en tant qu'élus d'opposition. Bon, ça a été présenté à la commission en finance, hein. Mais c'est via cet aspect-là. Et on n'a pas du tout été, alors je ne dis pas impliqué, mais juste informé sur votre orientation politique, votre vision, c'est-à-dire effectivement un peu ce que vous avez dit ce soir, mais et comment ça va être, parce que ce que disait, je crois que c'était Madame Darrieussecq ou M. Teltia, sur le problème, c'est qu'il va y avoir un report, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème, il n'est pas que sur ce parking-là, vous le savez bien, il est déjà sur les parkings de HSA qu'on a derrière, il est déjà quasiment sur tout le quartier, le problème de stationnement. Donc, demain, des horodateurs à cet endroit-là va perturber effectivement la vie de quartier, mais va, à mon avis, faire qu'il y aura un report supplémentaire sur la zone arrière. Donc, c'est aussi ça qu'il va falloir, entre guillemets, gérer, et c'est ça qui me paraît compliqué dans une politique de stationnement, d'autant que, certes, c'est période saisonnière, donc vous allez avoir une augmentation d'effectifs, hein, d'après ce que j'ai compris, en termes saisonniers, mais voilà, ce sont des jeunes que vous allez mettre aussi au contrôle, enfin voilà, c'est une police de stationnement qui n'est pas simple à gérer, et vous allez le faire avec des jeunes. Donc, nous, on est toujours, et on l'a déjà dit, assez désabusé de voir qu'on n'a que deux policiers municipaux pour gérer à l'année les problèmes de stationnement, parce qu'ils ne sont pas que sur ce coin, vous le savez bien. On a Béobi, on a aussi la zone de montagne, et notamment Trabénien, tout ça, où on a également des problèmes de stationnement, vous le savez bien. Donc ça, voilà, ça ne nous paraît pas forcément répondre, ça peut répondre ponctuellement à un problème de voiture ventouse, effectivement, mais globalement, la politique de stationnement, à notre avis, mérite autre chose que juste une ligne budgétaire. Voilà. Et c'est à ce niveau-là, si vous voulez, qu'on est un peu aussi déçu, c'est un grand mot, mais on aurait aimé avoir une vision plus large qu'une simple ligne budgétaire. Oui, je ne dis pas que c'est un phénomène général, mais je prends un exemple. Et je voudrais bien éviter d'accuser qui que ce soit. Qu'est-ce que l'on constate aujourd'hui? C'est qu'au moment de leur construction, certains logements ont été prévus avec des parkings, et quelquefois avec des parkings en rez-de-chaussée de l'immeuble. Aujourd'hui, il est aisé, puisque ce n'est pas payant, de sortir sa voiture pour aller faire ses courses et de l'y laisser, je dirais, tout le reste de la journée. Ainsi, on occupe une place, alors qu'on en a une disponible, qui pourrait être profitable à quelqu'un d'autre. C'est un épiphénomène, mais ça existe aussi. Je voulais aussi rassurer Solange, puisque la première chose que nous avons voulu faire lorsqu'on avait envisagé ça, c'était non seulement d'informer les riverains, mais je vous l'ai déjà dit par le biais des comités de quartier, mais aussi de rencontrer rapidement les commerçants pour les informer et éventuellement anticiper l'impact négatif qu'ils pourraient avoir, sachant que cet impact, d'après nous, il ne concerne pas la zone Lidl, Paris-Est, Millescar et compagnie. Il peut concerner peut-être ceux qui sont sur la route de la Corniche, mais à notre avis, c'est trop loin de la plage pour qu'on envisage de laisser sa voiture au Lidl pour aller à la plage. Un rajout, si vous permettez. Vous avez évoqué, M. Chiban, effectivement, votre étonnement et votre remarque sur le fait qu'aujourd'hui, on n'a que deux policiers municipaux. C'est un constat, effectivement, tout à fait exact, mais simplement, ça me donne l'occasion de rappeler ou d'informer
qu'on a aussi en ce moment, au niveau du pôle sud-Pays Basque, une discussion menée avec les communes de ce pôle sur un projet de mutualisation de la police municipale qui aurait pour objectif d'augmenter aussi peut-être les effectifs ou en tout cas d'être plus souple dans l'utilisation en fonction des besoins des communes. Alors, ce projet est en cours. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui qu'on aboutira, comment on aboutira, mais simplement, je profite de l'occasion aussi pour le signaler. Est-ce qu'il y a d'autres observations sur ce sujet-là? Sinon, je vous proposerai de passer au vote. Tant rappeler encore une fois que la question du bolodrome, je répondrai de façon précise tout à l'heure. Hein. Je comprends, mais là, on doit voter pour un sujet qu'on ne maîtrise pas. Donc, moi, je vais m'abstenir. Hein. Bien. Qui vote contre? Donc, on a des votes contre. Je vais commencer cette fois-ci par la gauche. Monsieur Henri Levrero, Madame Solange Darrieussecq, Monsieur Nicolas Fourcade, Madame Françoise Besnard, Monsieur Sébastien Chebar et Madame Agnès Isaguirre, pardon. Et Francis Gavilan. Excusez-moi, j'oublie toujours à procuration Monsieur Gavilan. C'est pas volontaire. Qui s'abstient? Monsieur Telechia s'abstient. Donc, délibération adoptée à la majorité. Troisième délibération d'ordre financier, Monsieur Bayot. Oui, merci Philippe. Bien, je vais rappeler en quelques mots la réforme qui a eu lieu récemment et donc qui a conduit à la quasi-suppression de la taxe d'habitation, qui nous a été compensée par la part que percevait le département sur la taxe foncière sur les propriétés bâties. Les deux taxes foncières avaient un régime différent. Celui de la commune et celle du département avaient un régime différent du point de vue de l'exonération. Donc nous avons récupéré l'intégralité de la taxe. Et donc il s'agit maintenant de décider des mesures éventuelles d'exonération qu'on va faire sur les propriétés bâties, nouvelles constructions, locaux d'habitation. Cette exonération concerne les constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions à usage d'habitation. Et donc, il vous est proposé, sachant que la loi nous permet d'exonérer sur un barème de 40 à 90% par tranche de 10, 40, 50, 60, 70, 80 ou 90% d'exonération de la base taxable. Ce qui vous est proposé, c'est premièrement de continuer à exonérer totalement les constructions qui sont adossées à des prêts aidés de l'État. Et ensuite, d'exonérer les autres constructions à hauteur de 40% de leur base imposable. Petit exemple, si la base imposable était de 1000, ben la base imposable ne serait plus que de 600. Je suis à votre disposition pour répondre aux questions si vous en avez. J'ai relu avec attention le texte. Pouvez-vous clarifier quelle était la situation antérieure? Il y avait deux régimes de taxes foncières. Oui. L'un, si je comprends, offrait une exonération totale pour c'est sa ça. Part à lui. C'est qui ça. Représente une fraction de l'ensemble, je ne sais pas laquelle. C'est ça. Et la commune n'exonérait rien du tout depuis 1992. Depuis 1992, la commune exonérait les dossiers assis sur des prêts aidés. Pardon. Tout le reste était taxé à 100% de la base. Donc la nouvelle situation que vous proposez sera-t-elle équivalente en termes financiers, à la fois pour les personnes concernées et pour la commune? En adoptant le taux de 40%, elle est à peu près équivalente. D'accord. Bien. A priori, c'est clair pour tout le monde. Ah non, je pense que c'est comme le juridique. À un moment donné, c'est tellement compliqué qu'on n'ose pas intervenir. Mais vous pouvez, vous pouvez. On a beaucoup à apprendre aussi de vous. Bien, donc s'il n'y a pas d'autres observations, je propose de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient?
Donc, délibération adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Nous en avons fini avec les questions d'ordre financier. Nous passons aux questions du service des ressources humaines. Et je vais, pour ce faire, céder la parole à Madame Marie-Chou Soubietta. Bonsoir. Donc, nous allons commencer avec le tableau des effectifs. Au mois de juillet, nous l'avons déjà abordé ce sujet, puisque 9 de nos agents ont bénéficié d'un avancement de grade. Et nous avons donc, au mois de juillet, porté au tableau des effectifs 9 nouveaux grades. Le comité technique s'est réuni au mois d'août et a donc procédé à la suppression des anciens grades occupés par ces agents, tout comme la suppression d'un poste qui était occupé par un agent qui est parti à la retraite. Est-ce que j'ai été assez clair? Est-ce que vous souhaitez des explications complémentaires? Là, ce n'est pas juridique, c'est plutôt administratif. Allez-y. Je ne vais pas répéter mon intervention du mois de mars, je crois. Là, ça dépasse vraiment ma mémoire et mon niveau acceptable de complexité. Pourrait-on un jour avoir un tableau des effectifs qui montre un effectif, en fait, sous forme d'un tableau? Alors, je vous réponds avec grand plaisir. D'une part, nous sommes tenus de faire apparaître le tableau des effectifs par filière et par grade. Bon. J'ai bien entendu votre demande du mois de juillet, M. Fourcade, disant que vous souhaitiez revoir la présentation de ce tableau. Et nous y sommes tout à fait favorables. Donc je vous propose que vous réfléchissiez dans votre groupe à ce que pourrait être ce tableau et à la prochaine commission de ressources humaines que nous ne manquerons pas de faire au mois d'octobre, nous pourrons échanger sur le sujet. Est-ce que ça vous convient? Je n'en fais pas partie, donc je suis tout à fait favorable. Mais vous aurez à cœur, je pense, d'échanger avec vos collègues avant. Monsieur Telecha. Le poste de Mathieu Echeverry, là, de Monsieur Echeverry, n'apparaît pas? Si, bien sûr. Si, là. Mais il a été voté au mois de juillet, Jean. C'est au mois de juillet qu'il a que la création du poste. Là, dans cette délibération, on ne parle que des postes que nous supprimons. Ce sont des postes qui étaient occupés par des agents qui ont avancé en grade ou qui sont partis à la retraite, donc ces postes n'ont plus lieu d'être. Je reconnais que c'est complexe. S'il n'y a pas d'autres observations, je vous propose de passer donc au vote et de valider ce tableau des effectifs modifié à compter du 1er octobre 2021, qui est contre, qui s'abstient. Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Deuxième délibération, Madame Soubietta. Deuxième délibération qui porte sur l'accueil d'apprentis. L'apprentissage est une mesure, un dispositif qui est très intéressant à la fois pour les jeunes, parce que ça leur permet donc de pratiquer dans un milieu concret ce qu'ils apprennent. Et c'est également intéressant pour les collectivités ou les entreprises, parce que ça permet de former des personnes qui pourront peut-être, à l'avenir, intégrer leurs effectifs. Alors, nous avons également abordé ce sujet avec le comité technique au mois d'août. Et nous vous proposons donc d'accueillir deux apprentis, un aux espaces verts qui prépare un CAP de jardinier et un au service communication qui prépare un bachelor de responsable de communication. Monsieur Telecha. Les aides au recrutement des apprentis ont été reconduites jusqu'au 30 juin. Est-ce que les collectivités ont droit à ces aides? Oui, bien sûr. Oui. Et le montant, c'est le même que... Oui, et ça a même été prorogé jusqu'au 31 décembre. Non, 30 juin. Bon. S'il n'y a pas d'autres observations, oui, M. Echeverry. Non, légèrement, c'est juste sur la communication. Il nous paraissait que ce soit un poste et quelque chose que vous vouliez vraiment structurer. Et c'est étonnant juste voilà, d'avoir, en plus d'un équivalent temps plein, juste un alternant, un apprenti sur ce sujet-là. Ça aurait peut-être mérité un poste à temps plein. C'est un premier pas.
Tout à fait. Doucement. Pas. D'accord. Doucement, mais sûrement. Si effectivement il est parfait, on verra ce qu'on fera. Bien, s'il n'y a pas d'autres observations, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, délibération adoptée à l'unanimité. Troisième délibération, Madame Souvietta. Oui, c'est un accroissement temporaire d'activité au service sport-jeunesse. Nous constatons avec plaisir depuis la rentrée que les inscriptions à la fois au centre de loisirs et dans les accueils périscolaires sont en nette augmentation. Alors, ça doit vouloir dire que les parents sont satisfaits du service qu'on leur apporte. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas un effectif suffisant pour accueillir les enfants, surtout au centre de loisirs, dans la mesure où nous avons aujourd'hui uniquement 7 moniteurs. Donc, quand le besoin s'en fera sentir, le service sport-jeunesse fera appel à un animateur complémentaire, soit le mercredi, soit pour le périscolaire. Mais évidemment, quand les inscriptions vont dépasser le cap des 82 enfants. Monsieur Telecha. Ouais, je suis surpris par cette proposition de création de postes, parce que tu as passé quand même, Philippe, 2 mandats à nous dire qu'on participe à la paupérisation tant qu'on ne crée pas des emplois à temps complet. Et là, j'apprends qu'on crée 2 emplois à temps non complet, avec des heures tout à fait relatives. Donc, qu'est-ce qui a changé? Quelles sont les raisons qui te permettent de l'accepter maintenant? Ou est-ce que tu t'es trompé sur les 2 mandats précédents? J'ai expliqué quand même le... Non, je voulais expliquer, c'est pas paupérisation, c'est la demande. Hein, c'est l'offre et la loi de l'offre et la demande. Hein, donc... Pas encore. Mais ça viendra peut-être, qui sait. Alors, qu'est-ce qui a fait que ça a changé? Mais la réalité du terrain, des fois. Eh oui, évidemment. Mais il faut le reconnaître. Est-ce que ma réponse te satisfait? Non. Bon. Évidemment. Ce serait trop facile. Très en forme. Bien. Y a-t-il d'autres observations? Oui. Non. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc délibération adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Et donc on a, oui, encore une quatrième délibération, même une cinquième après. Donc Madame Souvietta. Sur l'accroissement temporaire d'activité, cette fois aux espaces verts. Les espaces verts est un service où nous allons avoir des départs à la retraite, plusieurs départs à la retraite. Donc, ce service est en train de réfléchir à la réorganisation, justement, suite à ces départs. Et donc, nous vous proposons, dans un premier temps, d'accueillir une personne en emploi non permanent, un adjoint technique en emploi non permanent, pour permettre au service de bien peaufiner la nouvelle organisation après les départs à la retraite. Des questions? Bien. Monsieur Chiva. On a plusieurs séries, effectivement, de recrutement. Donc là, ce sont plutôt des recrutements pérennes. Je sais que vous l'avez évoqué en commission RH, mais c'est juste pour savoir par rapport à l'audit. Est-ce que c'est lié aussi à l'audit ou ça n'a rien à voir avec l'audit ou, Non, ça a à voir avec des départs à la retraite. Uniquement. Plusieurs personnes qui ont des postes clés dans ces services. Et donc, ils vont être réaménagés. C'est plutôt ça. Mais moi, je relève avec satisfaction que c'est un emploi à temps complet. C'est pas permanent. Tu as dû souffrir précédemment, non? Monsieur Fourcade, allez, on va rigoler un peu plus. Non, je note que du 18 octobre au 17 avril, c'est le moment où je révise ma tondeuse qui est toujours en panne autour du 18 octobre, comme celle de la commune. Donc j'ai besoin de personne pour la conduire puisqu'elle est en panne. Non, c'est la période qui m'interroge pour le service des espaces verts. Je me disais, y a-t-il vraiment besoin d'un emploi à cette période-là? Mais peut-être je me trompe. Il pleut beaucoup. C'est pour compenser des départs à la retraite et pour réorganiser le service.
Bien. Y a-t-il d'autres observations? Sinon, je vous propose de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. On poursuit, Madame Soubietta, avec le recensement de la population. Oui, le recensement aura lieu en janvier 2022. Et pour cela, l'INSEE nous recommande de procéder au recrutement d'un coordonnateur du 4 octobre au 4 mars 2022 et de 24 agents recenseurs du 20 janvier au 19 février. Voilà, donc ce recensement est pour nous extrêmement important. Donc on attachera beaucoup d'importance au recrutement de ces recenseurs. Vous avez après le listing des modes de rémunération. Et les districts sont en cours de refonte. Hein, et donc, on va donc réaliser, c'est encore des emplois non pérennes, hein, d'un mois, donc pour 24 agents recenseurs. Est-ce que vous avez des questions sur ce recensement? On n'a pas pu en dupliquer. Pardon? On n'a pas pu en dupliquer. Non, parce que ça sera sur 2022. Et uniquement, il y aura le coordonnateur qui sera embauché au mois d'octobre. Mais je pense qu'on le verra dans une prochaine DM, peut-être. Si vous permettez, on a été surpris, nous aussi, que l'INSEE nous demande de réaliser un recensement complet, alors qu'on a passé la barre des 10 000 habitants et que l'obligation qu'il nous a faite, c'est un huitième de la population tous les ans. Donc voilà. Ceci explique cela. Y a-t-il d'autres observations, Monsieur Tchevarne? Non, comment vous allez effectuer le recensement, si vous allez privilégier bien sûr les ouvrières, et comment vous allez faire avec Pôle emploi ou service jeunesse, enfin, ou oui, mission locale? C'est un vrai enjeu parce qu'il est très important qu'il soit très bien fait ce recensement, parce qu'après il y a donc des conséquences importantes. Donc on fera paraître des annonces, hein, pour recruter des personnes pendant un mois, c'est un temps court. C'est un travail qui se fait plutôt le soir, quand les gens sont chez eux, le samedi. Donc le profil des personnes sera affiné. Mais si vous avez dans vos proches des gens qui sont sérieux et qui sont décidés à s'investir dans cette mission, nous accueillons avec grand plaisir. Très bien. On va surtout veiller, à, si possible, à prendre des personnes qui connaissent bien le territoire. Qui connaissent bien les quartiers. Ça, c'est très important. Pour éviter les loupés. Bien. Y a-t-il d'autres observations? Il n'y en a pas. Je vous propose de passer donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Sixième et dernière délibération des ressources humaines, Madame Soubietta. Oui, c'est pour l'arbre de Noël de 2021. Par tradition, la mairie offre un bon d'une valeur de 40 euros à tous les enfants aux enfants de nos agents. 40 euros donc quand ils ont moins de 11 ans et 60 euros pour leur dernier cadeau à l'année de leurs 11 ans. Nous espérons cette année pouvoir réunir les enfants et faire un vrai Noël que nous n'avons pas pu faire l'année dernière. Des remarques, des observations? Il n'y en a pas. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Et nous en avons terminé avec les questions des ressources humaines. Et on va passer aux questions des services techniques. Et pour la première délibération, Monsieur Etchebard, je vous demanderai de quitter la salle, s'il vous plaît. Merci. Pour revenir vite. Oui, donc la première délibération, c'est une régularisation donc de travaux qui avaient été faits lors de la reconstruction du pont de la Rouletta. Et donc sur lequel il y avait une superficie de 18 mètres carrés qui avait été, on va dire, prise par la commune
Madame Isabelle Balerdi-Echevarne. Et donc, il faut régulariser cette situation. Donc, c'est passé en commission des biens communaux. Et lors de la réunion du 28 juin 2021, on a donc décidé de fixer le prix d'acquisition à 70 euros le mètre carré, qui correspond au prix des acquisitions qui avaient été faites juste à côté. Voilà. Donc, il s'agit de 18 mètres carrés à 70 euros, soit un total de 1 260 euros pour l'acquisition de cette parcelle. On vous propose également de nommer la SCP Antion Irachet et Nelson Jacques comme géomètre expert, de désigner l'étude notariale Inchospé et Marx Larasabal, notaire associé, pour la rédaction de l'acte et des documents correspondants, d'habiliter Monsieur le maire à signer tous ces actes. Et on rappelle que tous ces frais seront à la charge de la commune, puisque c'est nous qui sommes les demandeurs. Est-ce qu'il y a des questions sur simplement cette... rajouter en complément. Vous aurez compris que ce prix-là, quelque part pour nous, il provient quand même d'une certaine contrainte, puisque nous étions, même si on n'est pas théoriquement liés, bien évidemment, au prix qui avait été décidé lors des transactions intervenues dont Nicolas a parlé. Mais effectivement, dans un souci d'équité, ensuite, il était compliqué d'aller en deçà. Mais c'est vrai que ça n'a pas été simple quand même pour nous d'accepter un prix aussi élevé, je le dis, de façon très franche. Bien, s'il n'y a pas d'autres observations, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, il faut noter que M. Echebarne, bien évidemment, n'a pas participé au vote. Donc, la délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Deuxième délibération, M. Régéral. Oui, donc c'est donc la promenade de la Via Soie a été faite par la... On va demander... Est-ce que vous pouvez demander à M. Echebarne de réintégrer la salle, s'il vous plaît? Ah, il est parti. Pour relier Andaï à Irun, et il se trouve qu'il manque quelques mètres à cette voie verte, cette promenade partagée, et que ces quelques mètres sont sur la commune d'Urugne. Mais c'est une parcelle qui appartient à la BAMI, la société BAMI, la Banque Michel Inchospé. Et donc pour pouvoir terminer cette voie verte, on a proposé à la BAMI de lui acheter ce terrain. Il fait 201 mètres carrés. Au prix de 2 euros le mètre carré, puisque c'est un délaissé, puisqu'il y a beaucoup de servitudes. Nous avons reçu un courrier donc, de maître Jean-Brice Dassy, le notaire de la société BAMI, et qui nous ont confirmé que la banque Michel Inchospé, après consultation de M. Jean-Paul Inchospé, a accepté notre prix au prix de 402 euros. Et donc, on vous propose d'accepter donc, l'acquisition définitive de cette parcelle numéro 124, une surface de 201 mètres carrés au prix de 2 euros le mètre carré pour un total de 402 euros, de nommer la SELARL Alexis Inchospé, Yannick Marx, Lara Saval, notaire associé à Urugne, comme notaire de cette transaction, de donner tous les pouvoirs à M. le maire pour signer et effectuer toutes les formalités, et on précise que tous ces frais seront à la charge de la commune, puisque c'est nous qui sommes demandeurs. Ensuite, la commune d'Andaï sera maître d'ouvrage pour terminer cette voie verte pour relier Andaï à Irun. Y a-t-il des remarques, des observations? Il n'y en a pas. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, délibération adoptée à l'unanimité. On poursuit, M. Régira. Merci. Oui, donc cette fois, il ne s'agit pas d'un achat, mais d'une vente. Excusez-moi. Il s'agit d'une vente, c'est une régularisation. Lorsque, il y a plusieurs années, il y avait eu une vente de terrain de M. Armand Echeverry au profit de la commune pour réaliser l'aire d'enfouissement des déchets inertes qui un jour va ouvrir, j'espère, à la Croix des Bouquets. Et M. Arnaud Echeverry devait acheter à ce moment-là un morceau de terrain à la commune de 900 mètres carrés pour faire un accès à sa
à sa résidence. Entre-temps, il y a eu un nouveau PLU qui avait augmenté le prix de ses 900 mètres carrés puisque c'était devenu constructible. Et à nouveau, le nouveau PLU a remis cette parcelle non constructible. Donc, il faut maintenant essayer de régulariser toutes ces tractations et donc de vendre ces 900 mètres carrés à M. Armand Etcheverry au prix de 3 euros le mètre carré pour une superficie approximative de 900 mètres carrés puisque ça sera après fait par un notaire et donc que tous les frais liés à cette transaction seront cette fois à la charge du demandeur qui est M. Armand Etcheverry. Donc on vous propose d'accepter le principe de la vente de cette parcelle communale cadastrée BY40 au profit de M. Etcheverry, de confirmer le prix qui a été fixé en commission des biens communaux à 3 euros le mètre carré, de donner tous les pouvoirs à M. le maire à l'effet de nommer la société Néaldé, géomètre expert à Saint-Jean-de-Luz, afin d'établir les plans d'arpentage nécessaires à cette vente, de signer et effectuer toutes les formalités concernant cette affaire, de préciser que le découpage exact de l'emprise foncière sera réalisé en concertation préalable avec les services techniques de la commune et de rappeler que tous les frais se rapportant à cette vente seront à la charge exclusive de M. Armand Etcheverry. Y a-t-il des questions ? Monsieur Chevarne ? Non, comme la première délibération, je pense que ça fait partie de vieux dossiers que vous régularisez et qu'il est sain de régulariser, quoi. Voilà. Exactement. Vous avez tout compris. D'autres observations ? Il n'y en a pas. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 4, Monsieur Régera. Oui, donc il y avait une délibération le 28 janvier 2019 qui était relative à l'approbation d'un document type qui s'appelait les prêts à usage gratuit qui avait été mis en place sur le territoire communal dans le cadre de la gestion des biens communaux. Et on vous informe donc qu'il y a une demande qui émane de Monsieur et Madame Baptiste et Christelle Olaizola pour modifier cette liste de bénéficiaires. Pour mémoire, donc Monsieur Joseph Irastorza avait sollicité en tant que riverain des parcelles un droit d'utilisation et d'entretien. En 2011, il avait été informé. Il y avait été informé qu'on devait faire des réserves par rapport à des bassins de rétention. Depuis, la communauté d'Aglo a repris cette compétence et ne juge plus utile de faire un bassin de rétention à cet endroit-là. Donc, Monsieur et Madame Olaizola ont demandé à pouvoir récupérer ces terrains avec un prêt à usage gratuit, sachant que c'est des terrains qui sont enclavés, que le seul accès, c'est par une résidence privée qui impose aux services de la commune de passer une fois par an pour nettoyer ces terrains qui sont enclavés et qui sont le long d'un ruisseau. Donc, on vous propose d'accorder un droit d'utilisation et d'entretien à M. et Mme Christelle et Baptiste Olaizola sous la forme d'une convention de prêt à usage gratuit, d'autoriser M. le maire à signer cette convention sur une parcelle communale BP301 d'une superficie de 683 mètres et la parcelle 303 d'une superficie de 2274 mètres carrés. Et de rappeler que les rives gauches du ruisseau traversant les parcelles sont classées à espace vert à protéger au code du code de l'urbanisme et qu'à ce titre il est fait application du régime d'exception, c'est-à-dire que pour les coupes et arrêtages, il y a des autorisations à demander. Y a-t-il des questions ? Pas très clair. J'ai peut-être pas été très clair, mais on en avait parlé en commission des biens communaux. A priori, oui, puisqu'il n'y a pas de questions ni d'observations. Donc, tu as été très clair. Donc, je propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée à l'unanimité. On poursuit avec la délibération numéro 5. Oui, il s'agit d'une autorisation de passage de fibres à accorder à la société Isarlink. Donc la commune a été saisie par la société Isarlink qui souhaite installer une fibre pour raccorder les entreprises de la zone d'activité économique de la zone de Berrueta à son réseau fibré. Actuellement, il manque des fourreaux ou des appuis aériens pour relier cette zone de Berrueta sur leur réseau existant sur la commune de Cibourg. SFR a bien installé 3 fourreaux sur ce tronçon, mais refuse de les leur louer. Au vu des demandes urgentes des entreprises de la zone de Berrueta, la société Isarlink nous sollicite afin d'emprunter les fourreaux d'éclairage public de la ville le long de la RD 810 ainsi que la pose d'un tuyau polyéthylène de haute densité enterré sur 150 mètres.
la société Airlink propose de signer une convention de mise à disposition d'infrastructures pour le réseau de télécommunications ainsi que tous les documents qui y sont liés. Donc, compte tenu de l'intérêt pour ces entreprises dans la zone de Berruetta, voilà, on vous propose donc d'approuver les démarches de mise à disposition des fourreaux d'éclairage public qui sont en attente sur la RD 810 et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention désignée et ainsi que tous les documents et autorisations afférents. Monsieur Telecha. Qui a choisi Airlink? On n'a pas choisi, c'est la société Airlink. C'est des entreprises qui sont sur la zone de Berruetta qui ont besoin de passer par de la fibre et qui ont sollicité Airlink, qui est une société privée, une coopérative, pour avoir la fibre professionnelle. Sauf que la fibre de Airlink, leur réseau fibré privé d'entreprise, va à Cibourg, mais ne va pas jusqu'à Berruetta. Et des entreprises de Berruetta veulent avoir accès à cette fibre sécurisée, professionnelle. Donc il faut qu'ils étendent leur réseau jusqu'à la zone. Tu ne sais pas pourquoi ils ont choisi Airlink plutôt que SFR, qui avait déjà fait les travaux. C'est le choix des entreprises, là. D'accord. J'ose simplement espérer qu'ils ont privilégié un local plutôt que ces grosses sociétés comme SFR, puisqu'Airlink, effectivement, est une société qui œuvre surtout ici, sur ce territoire, dont j'avais reçu le dirigeant à mon bureau et qui m'avait quand même expliqué et fait part de sa sensibilité quand même de travailler ici sur le territoire et de proposer, on va dire, des services un peu plus en relation avec les demandes des clients et surtout d'assurer un suivi, ce que ne fait pas forcément ces grosses boîtes comme SFR, dont vous aurez également noté au passage le comportement, hein, puisque dès lors qu'ils ont des fourreaux, ensuite ils refusent bien évidemment de les partager avec d'autres opérateurs. Voilà. Donc tout le monde appréciera, hein, à sa juste mesure. Quand il s'agit de venir demander la pose d'antenne, eh bien, nous on leur demande maintenant, mais vous allez partager aussi avec d'autres opérateurs. Mais Airlink, c'est une très très belle entreprise, il n'y a pas de doute. Mais j'avais compris que c'était le département qui avait missionné l'opérateur SFR jusque-là. Donc, SFR, c'est pour le privé. Airlink, c'est des réseaux pour les professionnels. C'est-à-dire qu'on est sur deux catégories différentes avec des clouds différentes, etc. On n'est pas du tout dans le réseau privé, réseau fibré privé. D'autres remarques sur ce sujet? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Et on va continuer à parler de l'installation de panneaux photovoltaïques. Monsieur Régira. Oui, donc, comme vous le savez, on essaye de limiter notre empreinte carbone et donc d'essayer de mettre en place de l'énergie propre sur la commune, le plus proche possible. Donc, on va vous signaler que la société INR est une société de production d'énergie citoyenne du Pays Basque, dont l'action s'inscrit dans une démarche de développement local et d'intérêt général. Elle est située donc sur Asquin, cette société. La commune d'Urugne, territoire à énergie positive pour la croissance verte, souhaite soutenir des projets qui répondent à plusieurs ambitions liées à la transition énergique du territoire, à savoir le développement des productions locales en énergie renouvelable et le soutien à la création d'emplois sur notre territoire dans la croissance verte. On a eu une demande de manifestation d'intérêt en 2021 par cette société INR pour l'occupation temporaire des toits publics dans le but d'installer des panneaux photovoltaïques. Donc pour satisfaire à toutes ces exigences, on a lancé un appel, une publicité aux annonces, hein, sur le sud-ouest et sur d'autres communes. Et on a eu une seule réponse, qui est celle de INR. Donc on vous propose, on a répondu au cahier des charges, et donc on vous propose de faire un objet d'occupation donc pour mettre des panneaux photovoltaïques par la société INR sur le complexe sportif de Sokoa, qui est situé route de Sokoa, justement, à Urugne, et sur l'école publique du bourg, sur le bâtiment de la maternelle, qui est situé chemin Aguerren-Borda à Urugne. Donc ça serait la mise en place de panneaux photovoltaïques sur une durée de 25 ans. 25 ans, pourquoi? C'est la durée d'amortissement pour le matériel, sachant que tous les frais et toutes les autorisations seront à la charge de INR.
et donc qu'à chaque fois, on sera, nos services techniques seront consultés pour pouvoir s'assurer que tout soit fait dans les règles. Voilà. On vous propose également une redevance d'occupation, puisqu'il faut faire une redevance d'occupation pour rester dans le cadre de la loi, donc qui est symbolique, à 1 euro par an et par bâtiment. Voilà. Donc nous n'avons reçu aucune autre proposition d'autres sociétés malgré les publicités. Et donc il est proposé de mettre à disposition les deux toitures des bâtiments désignés plus haut à la SAS INR afin que cette dernière puisse y développer des projets solaires citoyens. Donc on vous propose de donner délégation à M. le maire pour convenir des termes de la convention, qu'on vous présentera bien sûr, de donner délégation à M. le maire pour signer ensuite la convention et les documents administratifs, techniques ou financiers nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Monsieur Tlecha. Pardon. Bon, je vais faire l'avocat du diable un tout petit peu, hein, même si, évidemment, je vais soutenir cette initiative. Tu dis qu'il est important pour Urugne d'avoir des énergies décarbonées. Hein. Alors, si tu regardes le rapport du GIEC, ben, il dit que, justement, il va falloir travailler sur les gaz à effet de serre, c'est-à-dire le carbone, le CO2 et le méthane. Mais concernant la France, il faut passer non pas sur les énergies, on travaille sur les énergies, parce que l'énergie nucléaire est totalement décarbonée et qu'il faut se concentrer sur les priorités que sont le transport et les modes de consommation. D'accord ? Et donc aujourd'hui, moi, ce que je vois à travers J'allume ma rue, l'application que vous avez mise en place et ces panneaux photovoltaïques, je vois des choses positives, mais pas forcément des choses prioritaires. D'accord ? Et c'est normal, parce que derrière, on ne voit pas de programme général de développement durable ou de transition écologique. On ne l'a pas, ce programme. Alors, tout à l'heure, je parlais du programme sur la politique linguistique. Et là, je vais dire la même chose. Il manque un programme général. Nous, alors, il n'était peut-être pas bien, mais en tout cas, il était participatif. On avait un agenda 21, d'accord, qui était un programme sur 4 ans. Ce programme est terminé. Il faut ouvrir maintenant un agenda 21 2021-2024. Est-ce que vous allez le faire? Est-ce que ce programme est en cours? Il va donner quand même des bonnes priorités. Il est fait de façon participative. Je sais que ça vous tient à cœur. C'était déjà le cas. Mais ça sera l'occasion d'en faire un. Et puis ça permettra de voir quelles sont les priorités. Le photovoltaïque, c'est très bien. Mais ce n'est pas forcément une priorité. Voilà. Ça s'appelle peut-être pas l'agenda 21, mais notre liste avait signé le pacte de Bissy, et on est dans la transition de pacte de Bissy avec les différentes fiches, et on s'y applique, et ça s'appelle le pacte de Bissy que tu n'as pas signé, mais sur lequel nous on s'est engagé, et ça faisait partie de notre programme. Donc, tu sais pourquoi je ne l'ai pas signé ? Va voir le pacte de Bissy, et on suit ceux qu'on a signés. Tu sais pourquoi on ne l'a pas signé? Parce qu'il est trop simple, il ne donne aucun objectif. Il ne donne aucun objectif. Aujourd'hui, la COP 21 t'impose des objectifs. On va avoir une COP 26 qui va hurler des objectifs. Mais le pacte de Bissy ne donnait aucun objectif. Voilà. Et qu'est-ce qui a été réclamé aujourd'hui par Bissy à l'agglomération? Et pourquoi ils ont quitté la table? C'est parce que l'agglomération n'a pas mis d'objectif. Nicolas. Alors, sur ces panneaux, je ne vais pas faire la polémique. Je te rappelle que tu es dans une liste qui a mis des panneaux sur le centre technique municipal. C'est une très bonne chose. Et on continue cette politique de limitation des gaz à effet de serre. Et ça passe par là. Sur l'agenda 21, bien évidemment qu'on a l'intention de poursuivre ce travail parce que c'est quelque chose qui s'inscrit totalement, effectivement, dans notre philosophie, qui est d'engager, encore une fois, notre commune dans la voie de la transition écologique. Donc j'ai vu que tu as effleuré déjà ta question diverse, qu'on manque de pédagogie, mais bon, je sais que tu nous apporteras des méthodes et des solutions pour ce faire, mais on en parlera dans quelques secondes quand tu poseras ta question diverse. Est-ce qu'il y a d'autres observations, d'autres remarques sur ce sujet-là? Il n'y en a pas, donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, délibération adoptée à l'unanimité. Et donc, nous en avons terminé avec les questions à l'ordre du jour. Et nous allons aborder, si vous voulez bien, les questions diverses qui sont nombreuses. Alors, je voudrais, avant que de vous donner la parole, bien évidemment, pour poser vos questions, faire une remarque ou émettre un vœu. On peut toujours espérer qu'il soit entendu. On a constaté, notamment à cette occasion, que les questions sont... Alors,
sont très longues. Et des fois, on a du mal un peu à identifier où se trouve la question. Est-ce qu'elle est dans le texte même? Est-ce qu'elle est à la fin? Alors, après, bien sûr, on peut appliquer une politique qui serait de répondre de façon très brève et très brutale, à la limite, à la seule question posée. C'est pas mon souhait non plus. Mais est-ce qu'à l'avenir, il serait éventuellement possible d'avoir des questions synthétiques, précises, pour qu'on puisse répondre de la meilleure façon, mais pas que pour vous, mais surtout aussi pour les Urugnards qui attendent les réponses. Voilà, c'était un premier vœu, enfin un vœu que je voulais émettre. Je verrai lors du prochain conseil si j'ai été entendu ou non. Je vous propose, comme d'habitude, de prendre des questions en fonction de leur ordre d'arrivée. Donc les premières sont celles de M. Telecia et du groupe donc Ecarpena. Donc M. Telecia, je vous cède la parole pour votre première question. Monsieur le maire, nous avons quelques questions à vous soumettre. La première qui nous a été transmise par un jeune Urugnard qui écoute en direct ce soir et qui attend la réponse à sa question, les deux autres concernant le fonctionnement de la mairie. Donc la première question de ce jeune, l'algue toxique Ostreopsis. Ce jeune homme a été témoin cet été de deux intoxications liées à cette algue. Un adolescent de 14 ans qui se baignait à la plage de Saint-Landelus et couvert de cloques et de plaques a dû être secouru par les pompiers qui ont confirmé la responsabilité de l'algue. Puis d'un groupe de copains qui, un soir après un apéro sur la même plage, ont tous été soignés pour un état grippal et des brûlures aux yeux. Ils voudraient savoir si le maire d'Urugne et son conseil municipal se sont emparés de la question en essayant de comprendre les origines de cette algue et si la responsabilité d'Urugne est engagée dans son développement. Pollution des rivières, assainissement défectueux, sous-capacité des assainissements en période estivale et de pluie, etc. Donc nous espérons de votre part une réponse. Ce problème d'algues est révélateur. Nous nous demandons si la majorité actuelle qui s'est engagée sur un projet de transition écologique a bien pris en compte l'urgence de la situation climatique et est organisée pour que l'ensemble de la commune et ses administrés adoptent les pratiques qui s'imposent. La mairie prévoit un programme de nouvelles constructions sobres en énergie, mais pourquoi ne développe-t-elle pas aussi une pédagogie pour que les propriétaires de constructions actuelles isolent les leurs? Le levier serait beaucoup plus important. De même, l'application « J'allume ma rue » a un véritable impact sur la consommation d'énergie de l'éclairage public, mais que pèse l'éclairage public dans la consommation d'énergie des foyers? Ce sont les Urugnards qu'il faut convaincre que si chacun de nous réduit de 3000 km par an l'utilisation de sa voiture, remplace un déplacement en avion par un déplacement en train ou divise par deux sa quantité de déchets, alors notre contribution aux objectifs de la COP21 sera réelle. Et c'est là l'essentiel. Il manque aujourd'hui à notre sens ce travail d'information, de pédagogie et de partage d'expériences. Comment comptez-vous faire pour accompagner la population à adopter les bonnes pratiques de consommation pour qu'Urugne obtienne sa part de résultats dans la lutte contre le dérèglement climatique? Ça fait beaucoup de questions dans la même question. Question courte. Alors, justement, c'était... il me semble avoir identifié, mais vous allez me reprendre si je me suis trompé. Dans cette question-là, il y en a en fait deux. Alors, le premier sujet et la première question, donc si j'ai bien compris, c'est une question qui vous a été posée par une personne d'Urugne, concernant donc le phénomène des algues Ostreopsis, dont on a tous été informés par la presse et que certains ont malheureusement subi aussi les désagréments. Alors, première précision, Urugne, bien qu'elle est la commune où la partie littorale la plus étendue n'a pas de plage. Bon, mais il n'empêche qu'il y a des plages à côté et que le maire d'Urugne que je suis a bien été sensibilisé sur ce sujet. Alors, est-ce qu'on s'est emparé du sujet et est-ce qu'on est à même de déterminer les origines? En tout cas, moi, maire d'Urugne que je suis, non, je ne suis pas scientifique. Donc je vais simplement me contenter de vous rapporter, mais très modestement, les quelques informations que j'ai pu avoir au niveau des analyses et qui ont été pratiquées, notamment au niveau d'un prélèvement qui avait été effectué le 20 août 2021, qui était, je dirais, la journée peut-être la plus noire, si je puis m'exprimer ainsi, puisque ce jour-là, il y a eu 395 cas de personnes qui ont subi des désagréments de cette algue-là, qui avaient été recensées. Alors ces analyses ont été effectuées par l'IFREMER et ce qu'il en est ressorti, en tout cas à l'heure où je vous parle,
c'est que ça a permis d'identifier deux espèces différentes au niveau de ces algues-là, dont une n'était jusqu'ici jamais apparue sur les côtes atlantiques, mais elle n'existait que sur la côte méditerranéenne. Et ça a permis aussi d'identifier la présence d'une toxine inconnue. Je vous rapporte simplement ce que je sais aujourd'hui. Et toutefois, les scientifiques n'ont pas permis de répondre à la question essentielle aujourd'hui et que vous effleurez, je crois, dans votre deuxième partie de votre texte, à savoir celle qui serait de répondre pourquoi et comment, en fait, on se retrouve aujourd'hui avec la présence de ces nouvelles espèces d'algues dans nos eaux des plages de la côte basque. Alors, est-ce que c'est la pollution des rivières, assainissement défectueux qui sont évoqués dans votre texte? Aujourd'hui, rien ne permet de le dire, en tout cas de façon positive. Donc voilà, on en est là. Donc je me suis emparé du sujet comme se sont emparés les autres maires des communes voisines. On a participé à une réunion qui avait été initiée par le sous-préfet en présence justement de représentants de l'Ifremer pour voir un petit peu comment il fallait réagir à cet envahissement qui a été temporaire quand même, il faut le rappeler, puisque assez rapidement, la présence d'algues, ou en tout cas le taux de présence d'algues, a diminué. S'agissant de la deuxième question, il n'y a pas de débat normalement, mais je vous donne la parole. Non, c'est vraiment du débat, hein. c'est pas polémique. Voilà. Non, autant cette algue-là est nouvelle, c'est ponctuel, et effectivement c'est nouveau, autant il y a un phénomène qui est bien plus ancien, qui est le LIGA, depuis 2001. Et je pense que ça, sincèrement, ça a un impact en plus sur le développement économique de nos pêcheurs, sur tout un écosystème marin qui est aux portes de notre côte. Et là, je sais que Serge Lassabal, du comité local des pêches, souvent et régulièrement informe les élus de ce problème-là, qui n'a assez peu d'écho. Alors, je ne parle pas forcément que des élus locaux, hein, mais ça, c'est un réel problème très, très, très problématique. Voilà, parce qu'aujourd'hui, ça peut même, au niveau de la consommation des poissons, avoir un impact à court terme très rapide, et ça peut mettre à mal toute une filière. Et alors, on ne connaît pas tout à fait encore les causes aussi, c'est comme cette algue-là, mais en tout cas, ça fait partie. Il y a plusieurs questions, vous l'avez évoqué, mais là, sincèrement, je pense que c'est tous les maires du littoral, il faut vraiment se lier, à s'attacher, à étudier ce phénomène-là, et voir comment on peut réduire, parce qu'on a toute une activité économique qui est liée à la mer, pas que les pêcheurs, et qui va être vraiment handicapée très rapidement, à très court terme. Merci. Bien, merci, M. Tcheban, pour ce complément qui, effectivement, est intéressant. Alors, pour répondre à la deuxième question que j'ai identifiée dans votre texte, M. Telechia, j'ai cru comprendre que vous nous reprochez un manque de pédagogie, en fait, vis-à-vis des urugnards. D'implication. D'implication. Alors, l'implication, je pense que ça, c'est peut-être pas tout à fait exact, puisque je crois qu'on démontre par pas mal d'actions, alors même si vous les considérez comme pas prioritaires, après, ça, c'est votre choix, mais pas mal d'actions qu'aujourd'hui, on est quand même en plein, hein, dans le cadre de l'engagement de notre commune dans la voie de la transition écologique. Après, par rapport à l'aspect, effectivement, pédagogie vis-à-vis des urugnards, que nous ne communiquons pas suffisamment, peut-être, mais moi je note que, mais déjà par votre texte, vous avez déjà fait œuvre de pédagogie aujourd'hui, puisque vous avez déjà donné un certain nombre de solutions aux urugnards. J'espère que vous serez entendus, parce qu'effectivement, ce sont de bonnes solutions. Et puis, par ailleurs, je terminerai, votre groupe s'appelle Carpena, ce qui veut dire apport dans le débat, et non pas simplement Aquilois. Aquilois, c'est le pic pour faire avancer les bœufs. Donc je pense que vous allez participer aussi et à nous aider, effectivement, à nous apporter des solutions ou des propositions pour qu'on fasse cette œuvre de pédagogie. En tout cas, c'est le vœu que j'émets. Dont acte. Je vous laisse poser votre seconde question, Monsieur Telechia. Alors, les migrants. Le 25 mai dernier, nous vous interpellions en conseil municipal sur la détresse de ces migrants qui traversent notre commune et sur la méconnaissance des droits des urugnards à leur porter secours. Vous nous aviez entendus et vous aviez organisé cette commission générale qui nous a permis de découvrir que l'assistance est un droit sur le territoire français
Il était alors convenu d'informer rapidement la population dans le prochain ouvrier d'ici et sur le site internet de la mairie qu'elle pouvait donner à manger, à boire ou transporter en voiture des migrants sans risque. Cela fait 4 mois et nous comptons les drames. Voir vous allez manifester en Daï, vous personnellement, pour les déplorer, mais les informations de base ne sont toujours pas communiquées aux Urugnards, ni sur le dernier Urugnan de Bissy, ni sur le site de la mairie. Pour quelle raison? Je vais laisser vous répondre, Madame Danielle Bidondo, avec Madame Casamayor. Sur cette question, je vous cède la parole. Merci, Philippe. Oui, effectivement, je tiens à préciser que cette réponse, nous l'avons écrite conjointement avec Sandrine Raguas. Elle prendra la parole si elle en juge nécessaire. Certes, oui, nous n'avons pas rédigé d'article sur la thématique des migrants, sur le Urugnan de Bissy, comme tu as pu le voir, mais pour autant, nous n'avons pas écarté cette problématique. Tu fais bien de le rappeler, Jean, nous pouvons tous, en tant que citoyens, œuvrer par petites touches, en accueillant, en donnant à manger ou à boire à ces personnes qui marchent le long de la route. Et nous regrettons que certains citoyens, plutôt que de tendre la main, par crainte ou par lâcheté, appellent la police. Ce conseil est d'ailleurs l'occasion pour nous d'affirmer que nous souhaitons qu'Urugne soit une ville d'accueil. Un réseau, d'ailleurs, fonctionne actuellement. Nous nous sommes rapprochés de l'association Bidachou et Torkinekin, qui est une association qui siège en Daï, qui aide les migrants. Et nous étudions actuellement la mise à disposition d'un logement. Plusieurs villes ont d'ailleurs pris position sous différentes formes, pour ne citer qu'en Daï, ville voisine, et Bordeaux, au niveau de la région, et il est certain que nous devons étayer une réflexion. Nous avons de même abordé cette question en commission de cohésion sociale à l'agglomération, dont je fais partie, et nous devrons nous positionner en tant que commune pour prendre un relais le jour où le centre Paocha, qui est un centre d'accueil qui se situe à Bayonne et qui est géré par l'agglomération, saturera. À ce jour, il n'est pas saturé, mais on craint des flux plus importants, notamment après les élections présidentielles. Pour répondre clairement à ta question, certes, il est important d'informer la population sur ce qu'elle peut faire ou non de ces personnes en détresse qui errent sur la route, mais notre implication en tant que commune doit aller bien au-delà. La problématique est complexe et c'est ce qui nous pousse à ne pas nous précipiter. Elle implique pour les mineurs le département au titre de sa mission de protection de l'enfance, la CAPB et la commune. Il ne s'agit pas de réfléchir seul à des solutions qui ne seraient pas viables. La complexité est aussi en lien avec le fait qu'aujourd'hui beaucoup de migrants sont en transit, notamment sur notre commune, cherchent à rejoindre Paris, parfois donc en faisant une halte de 2 ou 3 jours, puisque c'est le cadre posé par Paocha. Mais est-ce qu'on peut se satisfaire de cela en sachant qu'ils échoueront pour beaucoup sous les ponts parisiens, dans des tentes quechua, bousculées par la police? Les lieux d'accueil pour les mineurs sont saturés, pour ne parler que des mineurs. Nous devons effectivement agir, mais pas seuls, on ne serait pas efficace. En tant que citoyens, nous devons et pouvons répondre par le cœur, mais en tant qu'élus, nous ne pouvons pas nous contenter d'une réponse en surface. Je pense qu'il faut agir de manière cohérente et à plusieurs. C'est pour ça, moi, je te dirais qu'en conclusion, nous pensons que cette thématique, elle mérite de mettre en place un groupe de réflexion entre élus auquel nous t'inviterons. Je suis invité partout. Merci. Dernière question. Commerçants non sédentaires. Il semblerait que vous ayez décidé de supprimer les commerçants non sédentaires. Camions pizza, toilettage pour chiens, talo et vente de fruits et légumes. N'oublions pas que derrière ces activités, il y a des hommes et des femmes. Alain, Sandrine, Fabien et Christophe. Ils ont des conventions annuelles, mais cette année, ils sont sommés de quitter leur emplacement pour être regroupés sur le terrain de boules d'entrée de bourg dès le 1er janvier prochain. Alors ce texte
est arrivé bien avant la décision que vous avez prise vendredi soir. Nous sommes surpris par deux choses. D'abord, la méthode et ensuite, les conséquences. La méthode, alors même que le dernier Orient de BC indique l'importance de la solidarité et du dialogue pour la majorité, dans ce cas-là, vous imposez vos décisions sans débat et sans négociation possible. Nous ne pouvons l'accepter. Ensuite, les conséquences pour ces commerçants sont désastreuses. On n'impose pas un commerçant qui a travaillé pendant des années à fidéliser sa clientèle sous la pluie, le vent et la chaleur, un nouvel emplacement qui plus est moins visible. C'est imposer à ces commerçants de repartir à zéro. Lors du dernier mandat, j'avais personnellement accompagné ces personnes qui avaient un besoin urgent de travailler et qui avaient investi leurs économies. Des économies qui ne permettaient pas de prendre un local ou un fonds de commerce. Malgré des débuts à 10 euros de chiffre d'affaires la journée, ces commerçants ont réussi par leur ténacité et la qualité de leur service à vivre de leur travail. Accompagner les gens pour vivre et travailler au Pays Basque, n'est-ce pas notre mission et notre engagement d'élu à Versailles ? Christophe Kiko a fait passer à ses clients une pétition. Il a accueilli en 15 jours plus de 500 signatures. C'est dire le rôle social de ce commerçant à Urugne. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui une démarche aussi autoritaire ? Avez-vous bien évalué les conséquences pour ces commerçants et leurs familles ? Merci. Vous me permettrez, Monsieur Telicia, de répondre dans quelques secondes à votre question. Pourquoi ? Parce que, comme je l'indiquais tout à l'heure, il y a sur ce même sujet des questions qui ont été également posées par les deux autres groupes d'opposition, de façon un petit peu différente aussi dans la formulation. Donc je vous proposerai de répondre à la fin, c'est-à-dire après la question du groupe de M. Echeban sur ce sujet-là, de façon la plus globale et la plus complète possible, pour apporter, je l'espère, des réponses aux uns et aux autres. Donc voilà, hein, je vais cette fois-ci donner la parole donc, à Monsieur Levrero, donc, ou Madame Dariussec, pour vos questions à vous. Je vous cède la parole. Merci. Alors, première question. Vous nous avez informé de la tenue des fêtes patronales de la Bichincho, ce dont nous nous sommes réjouis. Bien évidemment, nous comprenons que le programme habituel n'ait pas pu être mis en place dans son intégralité. Nous avons toutefois noté avec étonnement le paradoxe des activités supprimées en extérieur et du maintien des rassemblements sous chapiteau. C'est ainsi que la corrida pédestre, le feu d'artifice et le comice agricole n'ont pas trouvé place dans le programme, alors qu'ils ont été proposés sans difficulté dans des villes voisines. Nous pensons à Sarre, Cibourg et Saint-Jean-de-Luz, pour ne citer qu'elles. D'autre part, nous déplorons qu'aucune activité n'ait pu être proposée à nos tout-petits et que pour la première fois, les concerts du samedi soir aient été payants. Dommage, il s'agit quand même des fêtes patronales de la Bichincho, les fêtes de notre village. La tradition n'est même plus respectée. Des fêtes écourtées de deux jours, des événements sacrifiés, des concerts payants ont réduit de fait les dépenses du comité des fêtes. Pouvez-vous communiquer au conseil municipal si vous avez appliqué une retenue sur la subvention de 50 000 euros prévue au budget prévisionnel ? Si oui, de quel montant ? Et nous adresser le bilan financier des fêtes quand il sera produit. Alors, sur la question elle-même, hein, qui porte sur la subvention de 50 000 euros qui a été attribuée au comité des fêtes, je laisserai dans quelques secondes répondre M. André Bayot, qui vous expliquera quelle est notre intention et notre notre intention par rapport à cette subvention. Simplement quelques observations sur l'organisation de ces fêtes, puisque même si ce n'est pas la question elle-même, je souhaite apporter précision. Bon, vous n'ignorez pas, enfin, j'espère que tout le monde conviendra que ces fêtes ont été organisées dans un contexte très particulier, qui est le contexte sanitaire que tout le monde connaît. Que vous sachiez aussi que c'est pas anodin quand même, hein, qu'on a dû prendre des décisions de façon cette fois-ci assez précipitée. Pourquoi ? Parce que les dernières instructions ou les derniers accords que l'on avait sollicités auprès des services de l'État et de la sous-préfecture nous sont parvenus quand même assez tard. Bon. Le facteur majeur, vous l'avez compris, il fallait, si on voulait organiser quelconque activité ou quelconque événement, il fallait le faire dans un espace qu'on était en mesure de contrôler, c'est-à-dire contrôler les entrées pour pouvoir contrôler le pass sanitaire. Et c'est autour de ce facteur-là qu'on a, bien évidemment, organisé ces fêtes-là. Alors, bien évidemment, on regrette tout autant que vous
le fait qu'il n'y a pas eu de commissaire agricole, qui est un jour très important pour ces fêtes du Rugne, c'est une évidence. Mais bien, je vous rétorquerai effectivement qu'on ne voyait pas comment, sauf à, on va dire, à considérer comme enceinte fermée un vaste périmètre, mais ce qui nous aurait amené quand même à mettre pas mal d'agents de sécurité, et ça n'est pas sans incidence non plus sur le coût. On ne voyait pas comment on pouvait, de façon, on va dire, certaine, ou en tout cas rassurante, assurer ce contrôle du pass sanitaire dans le périmètre fréquenté à l'occasion de cette fête-là. Vous me concéderez qu'il n'est pas, ça n'est pas la même chose que de contrôler un commissaire agricole du Rugne et le commissaire agricole de Sarre. Je pense que pour, si vous y avez été, on est dans d'autres proportions que celles, dans celles que nous sommes. La course pédestre, c'est un peu le même raisonnement. Alors, moi, je rappelle simplement, alors je ne sais pas, moi, je ne me suis pas préoccupé de comment ont fait les autres communes. J'ai assez de me préoccuper de la mienne, ce qui est déjà assez compliqué. Ce que je sais, en tout cas, c'est qu'au-delà des espaces qu'on pouvait contrôler et sur lesquels on pouvait contrôler le pass sanitaire, sur le reste des espaces, tous les rassemblements sur la voie publique étaient interdits. Alors, qu'il n'y ait pas eu de contrôle sur les autres communes, j'en suis ravi. Je ne suis pas certain qu'on était vraiment en conformité, en tout cas avec les instructions que j'ai pour ma part reçues concernant ma commune à moi. Les activités pour les tout-petits, bon, je pense que vous parlez des manèges, donc des forains. Il faut que vous sachiez aussi en totale transparence qu'on avait été bien sûr sollicité par les forains, qu'il a fallu engager des discussions pas simples avec eux, qu'on leur a proposé de se mettre un petit peu en périphérie de l'espace, justement de la place qu'on souhaitait contrôler. Et vous y étiez le dimanche notamment, vous avez vu que si on avait mis des forains à cet endroit-là, ça aurait été un peu compliqué d'organiser le moment convivial qu'on a pu tous vivre, enfin je l'espère que vous l'avez vécu de façon aussi conviviale que nous, le dimanche des fêtes. Donc voilà, la seule chose qu'on espère, c'est qu'en 2022, on n'aurait pas à nous poser cette question déjà, parce qu'on aura fait, je l'espère, des fêtes à nouveau normales. Bon, sur ce, moi ce que je veux dire ici aujourd'hui aussi au public qui nous entend, c'est que les remontées que j'ai pu avoir sur ces fêtes jusqu'ici ont été très positives, que beaucoup de Rugnards ont apprécié le contexte de ces fêtes, qu'ils ont compris pourquoi on les avait organisées dans ce contexte. Bon, c'est vrai que dans tout concert, il faut des fois une petite fausse note, vous la portez. Bon, voilà. Monsieur Bayot, je vous laisse répondre sur la contribution. Oui, merci Philippe. Bon, à travers la question qu'a posée Solange, je pense qu'on a à peu près la même vision des choses. La contribution communale, elle doit servir à équilibrer des comptes et éventuellement à faire face à des engagements financiers qui ont été pris par le comité ou les comités et pour lesquels ces comités n'ont pas la trésorerie qui leur permette de remplir ces engagements. La mission du ou des comités, c'est pas de thésauriser ou de faire des réserves sur ce qu'elle propose comme animation ou autre, voilà, ou autre repas ou autre chose. C'est pour ça. Cette année, donc, il y a un contexte nouveau, des recettes nouvelles, et nous avons l'intention, avec Isabelle Gayaga, de suggérer au comité qui nous propose, avant la fin du mois d'octobre, un bilan financier des fêtes du Rugne. Moyennant quoi, si l'excédent qui est dégagé, on peut admettre par exemple que cet excédent puisse permettre d'acheter de nouveaux t-shirts, puisse nous permettre de faire un repas entre membres du comité pour, je dirais, clôturer les fêtes. Il ne saurait être question de constituer un excédent trop important qui n'aurait aucune justification. Donc, après examen de ces comptes qu'on souhaite avoir au 31 octobre, on invitera les comités à discuter deuxième quinzaine de novembre pour voir si ce bilan justifie une demande de remboursement d'une subvention
qui auraient été trop importantes au regard des recettes qui ont été constatées. Votre deuxième question ? Une nouvelle fois, nous regrettons de signaler les agissements et les provocations du vice-président en charge du commerce. Nous souhaitons revenir sur le projet de charte proposé, ou plutôt imposé, concernant les commerçants dits ambulants sur notre territoire. Alors que les Urugnards plébiscitent ce type de commerce de proximité mis en place par l'ancienne majorité, il est prévu de déplacer la totalité des commerçants. Il semblerait même que des baux ne soient pas renouvelés. Certains commerçants n'ont pas été informés, encore moins consultés. Cette décision, lourde de conséquences sur le devenir de leur activité, nous concerne tous. Nous ne reviendrons pas ce soir sur toutes les aberrations reprises dans la charte, certaines décisions étant juridiquement impossibles à appliquer. Nous vous demandons, Monsieur le maire, de stopper la mise en place de cette charte et de nous donner la possibilité de la retravailler en commission générale. C'est dans le débat et la concertation que nous trouverons les solutions. Et nous avons donc commencé vendredi dernier. Quelle est votre réponse ? Merci. Alors là aussi, comme j'ai répondu à M. Telecia, vous me permettrez de répondre tout à l'heure globalement à cette question-là, puisqu'il porte sur le sujet de la place du commerce ambulant sur notre commune. Donc je vous propose de passer à votre troisième et dernière question. Monsieur le maire, vous avez été alerté depuis de nombreux mois par M. Condroyer, président de l'association des orgues du Rugne, sur le problème grave de la présence de vrillettes dans l'église et dans les orgues. Vos services techniques ont été en contact avec l'association et avec diverses entreprises, mais cette question n'est toujours pas traitée. Seul un bureau d'études comme la DRAC pourrait apporter une solution sérieuse et indépendante. Celle-ci, à notre connaissance, n'est toujours pas venue faire cette étude. Monsieur le maire, nous parlons de la défense de notre patrimoine. Comptez-vous apporter une solution à l'association des orgues du Rugne ? Alors, je vais répondre effectivement très précisément, puisque des réceptions de votre question qui m'a un petit peu surprise, je dois l'avouer, puisque j'étais quand même en contact assez étroit avec M. Condroyer. Bon, écoutez, c'est son choix aussi de passer par d'autres biais. Alors, la situation est la suivante. Donc, le problème des vrillettes à l'église n'est pas, malheureusement, un problème nouveau. C'est un problème qui existait bien avant notre arrivée aux affaires, entre guillemets. La présence des vrillettes dans les planchers bois et l'orgue a été constatée donc depuis 2 ans et traitée donc dans la foulée, dans un premier temps, par la société Ecobat à 2 reprises sans succès. Ça, vous en êtes, je pense, informé. C'était sous votre mandature. Une information technique qui est intéressante quand même, c'est que les vrillettes n'attaquent que l'aubier du bois et n'engendrent pas de problème structurel sur l'édifice. Donc c'est rassurant. Au moins, on sait que ce n'est pas la structure qui sera ou attaquée ou qui risque. Le problème est plus dangereux, par contre, pour les petites pièces de bois de l'orgue. Là, effectivement, il y a un problème. C'est pourquoi nous avons contacté effectivement la DRAC le 23 mars 2021, afin qu'ils nous conseillent et nous accompagnent dans cette problématique. Madame Laloyau, donc de la DRAC, M. Condroyer pourra vérifier s'il le souhaite, nous a informé qu'elle subventionnerait les travaux de traitement, mais qu'elle n'avait malheureusement pas de solution à nous proposer. Alors on ne s'est pas arrêté à ça, hein, on a quand même persévéré dans la démarche. Donc nous avons pris contact avec d'autres communes et de ces contacts-là, il est ressorti 2 solutions qui seraient adaptables à notre église. Le choix devra se faire. Première solution, c'est une solution qui a été mise en place sur la commune voisine de Saint-Jean-de-Luz, où ils étaient confrontés, bien sûr, à la même problématique. Ces derniers ont procédé donc à un démontage des pièces endommagées et traitement par le froid par la société Pyrénées Traitement dans leurs ateliers. Aujourd'hui, pour parfaire l'étude de cette solution, il nous manque le chiffrage du facteur d'orgue pour cette solution-là. La deuxième solution, c'est une solution beaucoup plus radicale,
qui a été notamment appliquée sur la commune de Bouc-Bel-Air. Ne me demandez pas où c'est, je suis totalement incapable de vous le dire. Dans le sud-est, merci Monsieur Cheval, qui, eux, ont adopté la solution du traitement par fumigation ou fumigation. Fumigation. Alors, c'est quoi, ça? C'est l'utilisation d'un gaz toxique. C'est pire que ça. C'est pire que ça. C'est l'utilisation d'un gaz toxique, donc sur la totalité de l'édifice, hein, mais avec comme conséquence, et c'est pas anodin, c'est qu'il faut déloger pendant 3 jours tous les habitants qui habitent dans un rayon de 25 mètres autour de l'édifice traité. Imaginez ce que ça peut représenter sur la commune d'Urugne. Alors je sais que M. Condroyer m'a dit, M. le maire, c'est la solution la plus radicale, mais il faut quand même aussi être conscient hein, des conséquences que ça peut avoir. Alors le coût de cette solution pour cette commune que j'ai citée tout à l'heure, qui est environ quand même 3 fois plus petite que celle d'Urugne, 39 000 euros sans les frais de relogement des familles impactées. Sans les frais de relogement des familles impactées. Aujourd'hui, d'après ce que m'indiquent mes services techniques, pour Urugne, on peut estimer la prestation aux alentours de 100 000 euros. Alors, pour cette solution, là aussi, pour parfaire la solution et pour nous permettre de prendre une décision, parce que nous n'avons pas encore tous les éléments pour prendre cette décision, on a contacté donc le 28 mai et le 9 juin la société donc Tecmo Hygiène pour un chiffrage de cette solution, et nous sommes aujourd'hui effectivement dans l'attente de cette solution de chiffrage. Et lorsque nous aurons tous ces éléments, eh bien nous devrons faire un choix entre ces deux solutions que je vous ai indiquées. Donc pour répondre à M. Condroyer, qui peut-être nous entend, on est en train de traiter le problème et on sera à même de lui apporter une réponse dès lors qu'on aura tous ces éléments en main. Bien, on en a fini avec vos questions. Donc je vais céder la parole à M. Echebarne ou quelqu'un de son groupe pour les questions donc, de votre groupe à vous. Oui, alors, je suis content que le sujet du commerce ambulant fasse l'unanimité du rang en face de vous, y compris chez M. Telechea, qui, pendant le premier confinement, a laissé fermer Kiko et Sgeva pendant plusieurs semaines, alors qu'il était maire adjoint au développement économique. Heureusement, il y a eu une intervention extérieure, en l'occurrence la mienne, pour lui permettre de rouvrir. C'est pas grave. Ma question était, monsieur le maire. Non, c'est pas une bêtise. C'est le préfet qui a demandé la fermeture. Monsieur Fourcade, je vous invite à persévérer. Je continue. Je persévère. Urugne me regarde. J'ai les preuves. Monsieur le maire, depuis cet été, une forte inquiétude s'est répandue chez les commerçants ambulants d'Urugne, qui s'inquiètent du non-renouvellement de leur autorisation de vente sur leurs emplacements actuels. Une pétition lancée par un groupe de clients réguliers a réuni plus de 500 signatures en un mois. 524 dernièrement. Pouvez-vous clarifier les intentions et les projets de la municipalité concernant l'avenir du commerce de proximité à Urugne et notamment la place du commerce ambulant dans le périmètre du bourg? Merci. Elle est courte, celle-là. La réponse sera un peu plus longue, vous en doutez, parce que, effectivement... Et je vois que vous avez exaucé le vœu que vous aviez émis vous-même, M. Fourcade, lors, je crois, du dernier Conseil, qu'il fallait que l'opposition se reprenne, puisqu'il n'y avait pas de contestation. Et là, je note effectivement une unanimité dans les rangs de l'opposition. Enfin, unanimité, ce n'est pas tout à fait une unanimité, puisque vous évoquez la problématique de façon quand même différente. Mais en tout cas, la problématique est là. Alors, si vous permettez, en propos introductif, je préciserai quand même que cette pandémie a mis en lumière, je dirais, de nouveaux modes de consommation chez les personnes. Aujourd'hui, on cherche beaucoup plus de l'éphémère. On cherche aussi beaucoup plus de circuits courts. On est beaucoup plus sensible aussi sur le manger sain. Et c'est un peu sur la base de tous ces éléments-là, de tous ces constats-là que nous avons, quant à nous, élaborer notre programme sur lequel une majorité d'Urugnards nous a élus. Et
je crois qu'il est de notre devoir en tant que commune d'accompagner effectivement les citoyens dans ces nouvelles demandes. Pour ce faire, nous avons mis en place un marché le samedi. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour faire prospérer ce marché. Il faut être lucide. Un marché prend du temps à se mettre en place. Mais on y arrivera avec la bonne volonté de toutes et tous. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour lancer aujourd'hui un appel solennel à tous les Urugnards pour qu'ils viennent sur ce marché-là. Parce qu'il y a sur ce marché-là, et aujourd'hui ça se voit encore de façon beaucoup plus claire, puisque on va dire que les extérieurs, entre guillemets, si je puis m'exprimer ainsi, ont commencé à déserter la place. Mais par contre, des producteurs locaux, je parle bien des producteurs locaux et pas simplement de revendeurs, eux sont là. Eux sont là et pour en avoir discuté avec eux, sont prêts à persister et à rester. Donc je pense qu'il appartient aussi aux Urugnards de leur montrer qu'on est derrière eux et qu'on a envie de les soutenir. Et c'est comme cela que progressivement ce marché prendra de l'ampleur. Le commerce ambulant. Bien, je serais tenté de dire que c'est une autre manière aussi de répondre à ces demandes des administrés qui viennent après cette pandémie. Vos questions, aujourd'hui, viennent confirmer un fait, c'est que circule aujourd'hui dans notre commune une fausse information. Oui, oui, M. Telcher, vous pouvez me regarder avec un hochement de tête. Une fausse information, alors qui a été véhiculée, reprise avec certainement des motivations diverses, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Lorsqu'on a reçu un commerce ambulant, qui je crois est à l'initiative de la pétition, eh bien, je suis désolé. Il n'y a jamais été indiqué que nous avions pris des décisions du type que celles que vous évoquez, à savoir qu'on ne renouvellerait pas son autorisation d'occupation précaire, qu'on le sommet, comme vous indiquez, M. Telecha, qu'on le sommet... Non, vous me laissez terminer, s'il vous plaît. Il n'y a pas de débat. Vous avez posé votre question, je réponds, et ça sera clôturé. Qu'on l'a sommé de partir sur un autre endroit. Ce qu'on a évoqué lors de cet entretien, par contre, c'est que nous étions, effectivement, compte tenu du contexte que je viens de préciser, dans une réflexion sur la place du commerce ambulant sur notre commune. Et nous avons évoqué, effectivement, lors de cet entretien, le fameux boulodrome, comme un lieu qui pourrait accueillir, je parle au conditionnel, puisque le débat reste ouvert, qui pourrait accueillir du commerce ambulant. Aujourd'hui, même nous avons nous-mêmes ce débat entre nous, mais aujourd'hui, on n'est pas à dire, et je ne crois pas l'avoir dit, que le boulodrome sera le seul endroit de la commune où on accueillera du commerce ambulant. Aujourd'hui, il nous faut réfléchir, dans le cadre de la commission, justement, commerce artisanat, qui est là pour ça, sur les différents lieux dans lesquels on peut accueillir du commerce ambulant. Et nous, contrairement peut-être à vous, on est convaincus que le boulodrome peut faire partie d'un endroit où on peut accueillir du commerce ambulant. Quel type de commerce ambulant, de la restauration ou autre, on verra. Le débat reste ouvert. Mais c'est un lieu quand même qui est, pour nous, je pense, assez stratégique aussi. C'est un lieu d'entrée vers des quartiers que tu connais bien, enfin que vous connaissez bien, qui sont aujourd'hui des quartiers importants. Et je pense que dans ce lieu-là, peut-être que les habitants de ce quartier-là aimeraient trouver du commerce ambulant, ou en tout cas de la proposition de commerce ambulant. Mais ce ne sera peut-être pas que le seul endroit. Pourquoi ce ne sera peut-être pas que le seul endroit? Parce que notre objectif, et je crois que lors de la dernière commission de vendredi dernier, on est tombé d'accord au moins sur ce point-là, c'est que l'objectif à nous tous, enfin toi je ne sais pas M. Telcher, parce que vous n'y étiez pas, mais l'objectif à tous, c'est de redynamiser notre centre-bourg. Bon, il nous faudra faire de toute façon, trouver des solutions pour faire un lien entre le centre-bourg, le boulodrome si on y installe du commerce ambulant, ou au Chachouna si du commerce ambulant reste. On n'a pas décidé aujourd'hui
de dire qu'à Oshashuna, il n'y aurait plus de commerce ambulant, qu'il n'y aurait plus de Kiko. Alors, est-ce qu'il a mal interprété, est-ce qu'il a mal compris, j'en sais rien. Ou alors c'est nous qui sommes complètement à côté de la plaque. Je peux pas répondre. Bon, non, je peux pas répondre, mais en tout cas, vous vous êtes fait votre idée, les uns et les autres. Bon, aujourd'hui, moi, ce que je veux rappeler, et ce que j'ai indiqué vendredi dernier, effectivement, à la commission commerce artisanat, qui a été convoquée par M. Tellier, c'est que de toutes ces questions-là que je viens d'évoquer, il faut qu'on en discute et qu'on doit continuer à en discuter ensemble et avec vous. Mais pour en discuter, il faut venir aux commissions. 4 commissions ont été organisées sur le sujet par M. Tellier. Alors, j'ai fait la reconnaissance et j'ai avoué le fait que peut-être la date de convocation entre la première, pour la première commission était très courte, mais il y avait des dates prévues pour les 3 autres. Bon, à un moment donné, ils se sont retrouvés à 2. Alors, bien sûr, de là est sortie une proposition, alors pas de charte, mais de cahier des charges, qu'aujourd'hui, certains considèrent comme un document imposé. Non, ça n'est pas un document imposé. C'est un cahier des charges qu'il faudra établir. Parce que le cahier des charges, par contre, ça, on y tient, nous. C'est que peut-être vous, peut-être pas. Mais nous, on y tient du cahier des charges. Parce que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on a été élus avec des valeurs dans notre programme. Les circuits courts, le manger sain. Donc vous imaginez bien qu'au nom de la liberté de commerce, qui est effectivement un droit sacré, on ne peut pas non plus accepter tout et n'importe quoi comme commerce ambulant sur notre commune. Et que, pour nous, il est indispensable d'établir ce cahier des charges avec des critères que l'on veut discuter avec vous. Voilà, c'est ça la réalité. Et dans cette réflexion, ce que les commerçants ont à dire, bien on en tiendra compte aussi. Alors la pétition, j'attends d'en être destinataire, puisque a priori elle m'est destinée, donc elle m'arrivera. Bon, aujourd'hui je n'ai aucune raison de douter qu'il y a effectivement plus de 500 signatures dans cette pétition. Bon, une pétition qui recueille 500 signatures, ça ne s'ignore pas. On en prend acte et on en tient compte. Voilà. On n'est pas des élus qui sommes enfermés dans notre tour d'ivoire à prendre des décisions comme vous indiquez. Non, on est là aussi pour entendre la population. Et si la population n'est pas d'accord avec une mesure que l'on envisageait de prendre, eh bien on revoit les choses. En tout cas, c'est comme ça que nous, on conçoit la gestion d'une commune. Alors voilà, la réalité, elle est celle-là. Maintenant, vous la croyez, vous la croyez pas, mais c'est celle-là. Et on montrera dans les prochaines semaines qu'on est bien dans cette réalité, qu'on est bien dans un débat qui reste ouvert. Alors on ne sera peut-être pas d'accord sur tout, ça c'est une certitude même certainement, mais qu'aujourd'hui, cette question du commerce ambulant sur notre commune reste encore à discuter. Voilà. J'ai reçu depuis aussi un autre commerce ambulant, que j'ai rassuré, puisque effectivement il y a des inquiétudes, donc que j'ai rassuré. Aujourd'hui, encore une fois, s'agissant des autorisations d'occupation précaires, parce que ça aussi, il faut bien être clair sur les termes. Ce ne sont pas des baux, ce sont des occupations d'occupation précaires sur des domaines publics. Voilà. Pancho, si tu souhaites rajouter quelque chose rapidement, tu le fais. Sinon, puisque tu as été... Oui, avant de laisser la parole à Pancho, le terme provocation, agissement de M. Tellier, je dois vous l'avouer que j'apprécie pas beaucoup. C'est moi le maire, c'est moi qui assume, et c'est pas mes adjoints qui vont assumer, c'est moi qui vais l'assumer. Et je ne pense pas qu'il y ait eu de provocation ou d'agissement qui pourrait s'apparenter à de la provocation. En tout cas, si les commerçants ambulants l'ont pris de cette façon-là, je suis prêt à les recevoir, mais ça, j'avoue que j'ai un peu de mal à accepter. Oui, je voudrais apporter quelques précisions en ce qui concerne le choix pour que nous avons jeté notre dévolu sur le boulodrome. Vous savez que le boulodrome, c'est juste l'entrée principale du bourg. Il passe à peu près 5000 voitures par jour en moyenne TMJA, c'est-à-dire taux moyen journalier annuel, 5000 voitures devant ce boulodrome-là. Sans compter les voitures qui desservent les lotissements qui sont sur le côté, d'accord ?
Or, ces lotissements, il y a à peu près 300 logements qui ont été dénombrés sur ces endroits-là. Il n'y a absolument aucune activité. Zéro. Donc, c'est tout naturellement qu'on essaye d'apporter une activité économique pour ces quartiers-là qui sont complètement délaissés. C'est une cité dortoir. Voilà, je voulais apporter simplement cette précision. Il y en a d'autres à apporter aussi. Et, vous savez, quand on qualifie une zone réservée sur le boulodrome hors du centre piéton du bourg, sans stationnement garanti, à l'écart de la circulation naturelle et donc de la vue du public, on ne doit pas parler du même endroit. Hein. Ou alors, je connais quand même bien Grugne, hein, voilà, je connais bien le boulodrome, et ça ne ressemble pas du tout à cette description-là. Bien, toujours est-il que les précisions seront apportées, en plus, à la prochaine commission, donc commerce artisanat, pour laquelle je pense que vous avez reçu la convocation, qui se tiendra le 11 octobre. Et donc je vous invite toutes et tous à participer à cette commission. Deuxième question, Monsieur Chebarn ou Madame Fourcade. Désolé, pardon. Donc, je répète, c'était une question sur le respect et le contrôle des procédures d'urbanisme. Monsieur le maire, depuis un an, des situations problématiques affectant le quotidien d'un certain nombre de Grugnards nous ont été rapportées et vous ont été signalées. J'en citerai ici seulement quatre. La première, c'est l'opération immobilière Héry-Ondoine, en plein bourg, dont l'arrêté municipal affiché autorisant le promoteur immobilier à occuper le domaine public pour la réalisation des travaux de l'immeuble, est signé non pas de la commune du Rune, mais de la commune d'Ossogor. Vous avouez que ça fait un peu bizarre. Ce qui a été signalé, aucun retour, aucune régularisation. Le deuxième, c'est celle de maison réalisée par un promoteur chemin Goretta, dont les aménagements ne correspondent pas au permis délivré. Ça a été signalé, aucun retour, aucune régularisation. Le troisième point, c'est le signalement d'un propriétaire privé, sur un autre propriétaire privé qui aurait agrandi sa propriété en empiétant sur deux chemins communaux, chez Kalebaïta et Bidé Sahara. Donc sans aucune autorisation apparente, une fois qu'on a vu effectivement l'adjoint aux travaux. Donc ça a été signalé, il y a eu une promesse de régularisation, mais pour l'instant on n'a pas de retour, ou du moins le propriétaire qui avait fait un signalement n'a pas de retour, il n'y aurait pas de régularisation de ce dossier. Le quatrième situation, c'est le chemin d'Ekialdé, pour lequel vous avez, par arrêté municipal pris en octobre 2020, bloqué l'accès du chemin et enjoint le propriétaire à réaliser sous 2 mois des travaux de remise en état du pont, pour des raisons de sécurité. Je pense que là, c'est la police de l'eau, effectivement, qui l'avait demandé. Donc, près d'un an après, toujours aucun travaux de remise en état du pont ont été réalisés. Ça a fait un an que 3 familles prennent un chemin d'accès long, en mauvais état et non répertorié par les services de secours. Mais pire, semaine dernière, ces familles ont eu l'accès à leur propriété totalement bloqué, du fait de travaux sur la voie secondaire longeant l'autoroute, sans aucune information de la part de la mairie et aucune solution d'accès complémentaire. Ils ont été mis le matin devant le fait accompli. Ces 4 exemples démontrent la difficulté de l'exercice, mais mettent surtout en lumière une terrible et parfaite continuité avec vos prédécesseurs, sur les 3 points suivants. Le premier, c'est le déficit flagrant de communication et d'information de la mairie, des élus en responsabilité. Je l'ai dit, c'est plus un problème d'information et de communication sur un grand nombre de dossiers. Le deuxième, c'est une absence de médiation et de soutien vis-à-vis des lanceurs d'alerte. Ces Grugnards ont tous été obligés de s'adjoindre les services d'un avocat face au silence et à l'absence de suivi de la mairie. Enfin, le troisième point, c'est une absence de suivi et de contrôle des travaux réalisés, ce qu'on a évoqué sur la précédente délibération, des arrêtés municipaux pris. Aucune régularisation effectuée sur les 4 situations citées. Donc notre question est la suivante. Quand est-ce que vous comptez mettre en place un suivi et un contrôle des procédures d'urbanisme afin de protéger et surtout de rassurer nos concitoyens qui se sentent, en l'occurrence, délaissés, voire méprisés? Merci. Alors, si je me contente de répondre à la question, ben, contrairement à ce que vous estimez, moi, je considère qu'aujourd'hui, il y a une procédure de contrôle des procédures d'urbanisme et de suivi. Procédure d'ailleurs qu'on a utilisée à de maintes reprises, mais je ne vais pas rentrer ici dans le détail des cas dans lesquels on a fait ces contrôles-là. Sur les 4 exemples que vous citez, je suis désolé.
j'ai transmis ça au service urbanisme, on m'a dit on est dans le jeu des devinettes. Des devinettes. Donc, ce que je vous propose, monsieur Etchevarne, si vous en êtes en tout cas d'accord, c'est que mon service urbanisme se tienne à votre entière disposition en tant qu'élu, et vous avez en tant qu'élu, effectivement, toute la possibilité. Alors, effectivement, quand avez-vous signalé? À qui? Parce qu'on me dit, il n'y a pas de signalement, pas en tout cas de M. Etchevarne. Alors, il va falloir qu'on se mette d'accord. Ce n'est pas M. Etchevarne qui a signalé là. Alors, qui? Je répertorie. Et quand? Je répertorie les signalements. Bon, alors, il nous faudra des précisions, parce que une fois qu'on a les précisions, on sera à même de répondre précisément, pas moi, service urbanisme. Parce que le service urbanisme, si je peux... C'est les ouvriers qui ont besoin de réponses, pas moi. Hein. Si je peux témoigner d'une chose, en tout cas, depuis que je suis là, c'est que je crois que le service urbanisme est un service qui se décarcasse autant qu'il le peut, et du mieux qu'il le peut, pour répondre effectivement aux demandes des Urugnards. C'est peut-être une question de moyens. Hein, après, effectivement, il peut y avoir des réponses qui ne satisfont pas toujours, et ça, effectivement, je peux le comprendre, puisque quand on n'est pas satisfait d'une réponse, mais c'est très facile à ce moment-là de critiquer, on n'a pas la réponse qu'on veut, mais ce n'est pas là la question. On donne la réponse qu'on doit donner, quand on peut la donner. C'est juste l'arrêté municipal. Je réponds, M. Etchevarne, je fais la même observation qu'à M. Telecci. Vous avez posé la question, je réponds. Donc voilà, on en est là. Donc ils sont à votre entière disposition. Hein. Après, il y a aussi des problèmes de compétences. Parce que le quatrième exemple que vous citez, par exemple, là j'ai un petit peu plus d'informations, mais je pense que l'informateur que vous avez eu, s'il avait été complet peut-être dans ses informations, aurait dû vous dire aussi qu'on est dans un problème à 90% privé. Que l'arrêté de péril que j'ai pris sur le pont, je suis obligé de le prendre parce qu'effectivement, il y a un arrêté de péril et qu'il y a de la circulation publique sur ce pont qui est privé. Et qu'aujourd'hui, je pense que ces informateurs vous ont dit aussi qu'ils sont dans une phase de concertation avec des avocats. Alors, est-ce que le recours à l'avocat que vous évoquez dans votre question, c'est ce cas-là? Non, c'est tous. Bon, tous peut-être, on verra les autres cas. Mais en tout cas, ils sont aujourd'hui à essayer de trouver une solution pour s'en sortir, sans aller au tribunal. Voilà. Alors la question de l'accès bloqué, le deuxième accès qui n'est pas sur un terrain communal, mais qui sont sur des terrains qui aujourd'hui appartiennent aux ASF, qui font l'objet de procédures de délaissé, mais qu'on n'a pas encore acquis. Effectivement, on avait donné une autorisation en précisant bien que cet accès-là reste ouvert pour que les personnes qui devaient utiliser cet accès, ne pouvant pas utiliser l'accès passant par le pont, puissent l'utiliser. Que s'est-il passé? Effectivement, une entreprise mandatée par les ASF et pas par la commune, eh bien, est arrivée et a effectivement bloqué l'accès. Ça a duré une demi-journée. Il paraît que ça a fait l'objet de plusieurs messages dans les réseaux sociaux. Une demi-journée, les services techniques de la commune, cette fois-ci, sont intervenus pour débloquer la situation. Voilà. Alors, aujourd'hui, sauf à ce que vous ayez après d'autres faits circonstanciés et précis, me démontrant effectivement qu'il n'y a pas de procédure de contrôle des permis de construire ou des différentes autorisations d'urbanisme, à ce moment-là, je serai prêt à en discuter avec vous. Mais aujourd'hui, j'estime que, en tout cas, ces procédures-là de contrôle existent et qu'on fait du mieux possible. Je vous remercie pour votre écoute et je vous propose de lever la séance puisqu'il est assez tard. Merci.